Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur 01 Live TV. C'est parti, il est 18 h et comme chaque jeudi soir, nous voilà partis pour le débrief de l'actualité high tech de la semaine avec un 01live exceptionnel. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Galaxy S8, Blackberry, G6, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Xperia XZ, P10. Que faut-il retenir du Mobile World Congress de Barcelone qui vient de s'achever. On va tout vous dire si vous avez raté quelques infos importantes. Eh bien vous saurez tout ce soir grâce à nos spécialistes qui sont avec nous. Voilà. Alors attendez, vous allez voir qu'on va tout vous débriefer concernant ce Mobile World Congress. Et puis euh, tout à l'heure le Labo 01net sera là aussi avec la rédaction de 01net.com. Emrick Siméon viendra nous parler d'un nouvel Alienware, tu sais, c'est des PC super boostés gaming. Euh, qui ont été rachetés par Dell il y a quelques mmh. temps de cela. Eh bien, vous savez quoi Il y a un Alienware qui sort avec un écran OLED et à mon avis, ça doit dépoter. On découvrira aussi un Dell XPS 2 euh, en 1. Et puis, et puis, là, c'est vraiment pour les geeks de chez Geek, un nouveau processeur AMD. Jérôme, je sais que tu les collectionnes à la maison. J'en mis d'avance. Eh bien, tu vas pouvoir avoir euh, bah, tous les détails tout à l'heure avec Aymeric Siméon concernant ce nouveau pros. Euh... <laughs> Qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'ai oublié de citer une marque tout à l'heure, un instant là. Nokia qui a fait l'actualité à Barcelone. Ah oui. Et c'est la question 01-Net Orange du jour. D'ailleurs, ça nous a inspiré ça. Vous savez que Nokia a relancé le 3310, ce qu'on appelle un dumbphone, un téléphone idiot, contrairement au smartphone. Question du jour, que pensez-vous des dumbphones Êtes-vous pour ou contre Donnez-nous votre avis, 3W.01-Net tv.com vous votez on en reparle tout à l'heure. Voilà, c'est notre question 01 orange et puis euh, après ce 01 live tout à l'heure entre 18h30 et 19h là, on oui. va vous proposer un spécial Nintendo Switch. Ce 01 live ne s'arrêtera pas ah, on va continuer à partir on de on 18h... va continuer à 18h30 et là on va consacrer 30 minutes à la console de cette, euh, voilà, de cette fin d'hiver hein, qui sortira très vite puisqu'elle sort demain, et eh bien à cette occasion, on vous propose 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et là, les experts gaming de Zéro 1 Net nous rejoindront. Il y aura Emric Siméon plus Pierre Fontaine. Ça va être chaud bouillant, les amis. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, à la fois sur Barcelone et puis sur la Switch. C'est très simple. Twitter, hashtag 01Live, 01Live en un seul mot. On attend vos questions et on y répondra avec nos spécialistes dans la mesure de nos connaissances qui sont néanmoins immenses. Voilà, alors Pierre est en train de je sais pas faire quoi, qu'est-ce qui se passe Ça fonctionne Pierre ou pas Alors voilà, alors, alors, alors ça, vous savez quoi, on question. nous pose la question, est-ce que ça marche sur YouTube, <laughs> mesdames et messieurs Alors là, voilà, nous allons faire le May Day voilà. May Day. Vous savez, il y a eu des moments quand même oui, compliqués dans l'histoire, un hein. Titanic par exemple, oui, hein, juste le, avant qu'il fracasse l'iceberg, aussi rappelle-toi. Hein. Voilà, donc là, ouais. nous avons on est, est ce qu'on est, qu est en direct Raphaël Grabli puisque c'est ah un ouais. peu notre <laughs> cellule de veille ici. Non, Écoute, non, moi Alors moi peux, sur le, le sur voilà. le computer ici, euh, j'ai de l'image, j'ai du son. Et puis et puis nous avons voilà. nos amis sur YouTube qui nous disent que ça fonctionne. fonctionne. c'est formidable, c'est parfait. Pierre, tu peux te rasseoir et tu peux réaliser, tout fonctionne bien. C'est vraiment une petite goutte de sueur là. Oui, c'est vrai. Alors, vous savez quoi Parce qu'il y en a qui euh, peut-être hésitaient de savoir si on était vraiment en direct. Je crois ouais. que là, vu la pagaille ambiante <laughs> qui règne, on peut vous le confirmer. Mais alors, rubis sur ongle, on est en direct, les amis. Il est 18h04. Et alors, Pierre, tu sais quoi maintenant Tu vas envoyer le jingle, comme d'habitude. Hein, et puis après, on va présenter Raphaël et Jean-Sébastien. Bienvenue. Et voilà, nous sommes de retour. Jérôme, ça fonctionne bien, toujours sur YouTube. <laughs> tout, tout, tout. Très bien. Je suis en contact direct avec la station. C'est alors... pas mal de regarder l'émission que nous sommes en train de faire. C'est ouais, ouais, un temps. Formidable, mal, quand même. Ouais, hein. voilà, voilà. Si je <laughs> n'ai euh... pas bien entendu ce que tu viens de me dire, je peux le réécouter tout de suite. C'est super bien. C'est super. Voilà. <rire> voilà. <rire> Et nous avons Raphaël Grabi. Je vais poster un commentaire, je crois. C'est bien. Salut Raphaël. Salut. On peut se troller en direct. C'est génial. Et genre c'est ma chance de voir Salut tout le monde. Messieurs, alors on est voilà, en fait pour tout vous dire, on est un petit peu encore euh, sur la brèche du Mobile World Congress, c'est pour ça ouais. que vous voyez est bah un, voilà, peu on est un peu comme ça, et on revient de Barcelone, on est bien rentré, merci, si vous vous posiez la question, tout <laughs> va bien. Hein. Euh, les tapas se sont bien passés et malgré tout, on a vécu un très très bon Mobile World Congress, messieurs. Ouais. Oui, entre autres mots, t'es un peu ouais. optimiste. j'ai hein. ouais, vu les lives qu'on a fait pendant trois jours. Ah oui, ah, ah, oui alors, On, oui. Oh, oui, évidemment, on a eu bien. le couvert exceptionnel sur Et... Zeronet TV. Somptueux, c'est des mots que je n'osais pas balancer, mon cher Jean-Sébastien, mais tu as raison. C'est vrai qu'après, au niveau, on va dire, richesse d'informations, ce n'est pas le Mobile World Congress de la décennie. Il n'y a pas de spectaculaire, il y avait des choses intéressantes, il y avait des marques qui ont fait des annonces intéressantes. Évidemment, il y a eu Huawei, il y a eu LG, il y a eu Sony il y a eu les retours de BlackBerry si on peut encore appeler ça un retour mais oui. bon euh, voilà un, en tout cas un nouveau smartphone intéressant oui. mm -hmm. il y a eu euh, l'escroquerie Nokia euh, <laughs> avec le euh, on, va 10. Alors, on va en parler dans un instant euh, et des puis il y, des y avait un absent il y avait le S8 qui était malheureusement pas là euh, mm. et ce qui a un peu déstabilisé tout le monde mais ce mm. qui est bien aussi parce que d'un côté Samsung va prendre le temps de préparer son truc etc et puis de l'autre ça permet de parler euh, des, voilà, des Huawei LG alors dont on parle chaque année évidemment mais qui ne mm. sont pas habitués être peut-être autant les stars ils sont toujours un peu en second plan bon alors pour ceux qui étaient euh, qui n'étaient pas connectés qui n'ont pas suivi quels sont les 4 5 annonces phares qu'il faut retenir on va les rappeler un peu bah, si on, vraiment on parle des, des smartphones haut de gamme, on va dire qu'ils sont en général les stars du salon. Il euh, y a effectivement LG qui a fait très fort avec son G6, qui est un bel appareil, avec un grand écran de 5,7 pouces, qui occupe presque toute la face avant. Voilà, C'est très joli, euh, avec toujours son système de double capteur, dont un qui est très grand angle. Il euh, y a eu aussi le Huawei P10, euh, puisque lui aussi double capteur, mais cette fois-ci avec une autre philosophie, capteur couleur, capteur monochrome, euh, avec un, un appareil aussi très joli, qui a des, des faux airs d'iPhone, on va dire. P10. Ah, P10 plus, 10 et P10, hein, il P10, P10, et P10 plus, il y a deux versions effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait, il y avait euh, du côté de chez euh, Sony un, un Xperia XZ Premium qui est un très bel appareil avec du Snapdragon 835, mmh. un écran 4K. Bon, on est certain certains de savoir à quoi ça va servir l'écran 4K à part pourquoi pas de la réalité virtuelle, mais passons. C'est joli quand même. A l'œil, c'est difficile à voir à l'œil nu sur l'écran quand même. Enfin, entre un 4K et un quoi d'HD bon C'est en principe 4K HDR. Oui, HDR en Ce qui est intéressant, c'est qu'il a comme il a la nouvelle plateforme Qualcomm, il est gigabit en termes de débit. Donc là, voilà si on a vraiment des réseaux qui envoient du lourd, c'est intéressant. Donc ça, c'est c'est pour vraiment le, le au niveau la de connexion. Débit. Voilà, data. tout à fait. Alors, par contre, en France, faut se calmer tout de suite parce que mm. les opérateurs sont autour de 300 mégabits, donc c'est pas, ouais. pas terrible. Ouais. Euh, on nous dit sur YouTube, Samsung, 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 Ben, bah, Samsung non. Bah, hein. Samsung, Alors non. Samsung non, oui quand même, il y a eu quand même des choses. Samsung. Oui, bien sûr. Et puis il y a eu des choses d'ailleurs qui sont sympas. C'est pas du smartphone, mm. euh, mais ils ont lancé quand même deux tablettes, dont une tablette, euh, la Tab S3, une tablette, on va dire un peu classique, oui, Android. Android, une très jolie tablette, mais euh, voilà, Android classique. Par contre, une tablette que beaucoup plus intéressante, c'est la Galaxy Book qui est en fait un vrai hybride euh, on a pu la, la tester au niveau du clavier, elle est vendue avec un clavier et un S Pen, donc ça vient vraiment concurrencer le Surface Pro 4 de Microsoft C'est le PC d'aujourd'hui ouais. ça en fait Exactement, hein. c'est le PC d'aujourd'hui et ça pour le coup, contrairement à un iPad ça peut remplacer un PC parce ouais. que ça embarque Windows, Windows ouais. l'iPad il mmh. euh, y a plein de qualités mais c'est sur ouais, iOS c'est un, un OS mobile, Bien là c'est un vrai, un, vrai, un vrai logiciel voilà, de, de bureau mmh. on peut faire vraiment tout ce qu'on veut le clavier, je l'ai essayé, il est vraiment top parce que on a, au niveau de la, de la sensation, de la voilà, quand on frappe, quand on tape mmh. du texte, c'est vraiment identique à ce qu'on peut avoir avec un clavier, métier, avec un clavier, clavier classique. classique. Après la limite de ces choses-là, mais qu'on est qu'on retrouve maintenant sur des PC, euh, c'est la connectique parce que ah il ouais. euh, y a que il euh, un port USB-C pour oui, la crois, ouais. version 10,2 mmh. pouces et il y a deux ports USB-C pour la version 12 pouces mmh. qui est avec un Core i5, etc. Donc c'est vraiment une machine euh, qui, qui a de la puissance, mais voilà, maintenant la, la problématique, c'est que c'est très, très euh, mobile, c'est très beau, c'est magnifique. Mais... Les deux problèmes, c'est la connectique, du coup, qui est forcément limitée, puisqu'on est face à des, à des smartphones, à des, à des appareils très fins. Et l'autre, c'est le prix, parce qu'on ne connaît pas encore le prix, mais forcément, ça va être cher, ça va être beaucoup plus cher, enfin, au moins plus cher. Donc un PC classique portable, même ultra portable à ouais. puissance égale. On a une idée à peu près de, de la formule. Non, là-dessus, là on n'a on a, on a vraiment aucune idée, surtout que c'est compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de déclinaisons oui. selon la RAM, selon le, pro, le processeur. Mmh. Non, on va, on va, ça peut approcher, je ne sais pas, 1500. Ah bon, oui, je pense pff, que ça sera jamais au-dessus ouais. de 1000 euros. Ah oui, au-dessus de 1000 euros, c'est sûr, Oui, C'est ce sera au-dessus de 1000 euros. C'est-à-dire bah, voilà. qu'ils en vendent plus euh... beaucoup des, des, des PC, entre guillemets. Donc, non, et puis clair. en fait, c'est le discours qu'ont Samsung, Apple et tous les fabricants c'est-à-dire que les gens, les tablettes, ils n'en veulent pas, de toute façon, ça ne se vend pas très bien. Non. Donc, il faut aller sur de l'hybride il faut miser sur les professionnels il faut miser sur une palette très complète. Donc, ils ont raison d'aller là-dessus, parce que c'est ce qui peut marcher. Euh, entre ça et un, et un ultra portable, je comprends qu'on se pose la question, sincèrement. Mmh. Si on a le budget pour, franchement, c'est une belle alternative. C'est une belle alternative et c'est crédible en tout cas. C'est voilà, des, des beaux produits. Alors, bon, ça c'était pour les tablettes, mais le gros morceau, quand même, ça a été donc les smartphones. Hein. On en ouais. a parlé euh, euh, évidemment. Quelle a été la surprise, Raph tu... Par exemple, toi, le retour de Blackberry, t'intéresse assez je trouve. Ça m'intéresse. Alors, ça m'intéresse, oui. Euh, je ne sais pas si ça a marché. Simplement, euh, le, le fait de mixer comme ça clavier et Android euh, avec un bel écran, quand même, qui est 4,5 pouces. Donc, ce n'est pas un très grand écran, mais ça reste un écran avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et surtout, l'intégration du clavier qui est assez intelligente avec beaucoup de raccourcis sur le clavier qui sont euh, bien fichus. avec... Euh, un USB-C, bon ça maintenant ça devient la norme. Et avec, il euh, y a une petite surprise qu'on pourrait avoir, je disais, c'est le capteur photo mm -hmm. qui est le même que celui du Pixel. Oui. Donc si Android arrive à gérer, si Android, si BlackBerry, enfin oui. TCL, hein, puisque c'est TCL oui, qui fabrique, TCL. Hein, mm. arrive à gérer la TCL, partie logicielle, Alcatel, oui. Euh, oui. oui, voilà, c'est TCL, le fabricant chinois qui a la marque Alcatel et qui oui. fabrique maintenant qui a la licence BlackBerry. Donc c'est, ça n'a de BlackBerry plus que le nom, mm -hmm. mais c'est fait quand même en accord, en partenariat avec BlackBerry. La partie, logiciel est et la partie logicielle par, euh, est faite euh, par BlackBerry. Et, Et parce que, que évidemment, il y a une partie bien sécurisée sûr. qui va intéresser une certaine clientèle. Mais euh, la photo, le capteur techniquement est bon. Après, il faut voir si c'est bien exploité. Donc, on peut avoir une bonne surprise, euh, une bonne surprise en photo. Après, c'est un smartphone qui va être vendu quand même assez cher. Ça va être vendu 600 euros. Moi, j'aurais misé un sur euh, voilà, 100, une centaine d'euros de moins, ouais. peut-être pour que ce soit vraiment éventuellement un succès. Mais euh, voilà. À surveiller. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Ouais. Ils ont raté beaucoup de choses, malheureusement. À surveiller quand même on a évacué on, enfin on l'a pas dit mais donc euh, pas de, de smartphone Samsung hein, on le redit comme vous raté Samsung, le, ils ont, euh, annoncé l'annonce on, on a annoncé l'annonce ouais. ouais, voilà, c'est génial ont... ça on a du teasing de teasing maintenant voilà ils ont dit que ce sera ça. donc le 29 mars le voilà. 29 Mars à New York, hein, visiblement. Alors, ce sera à New York. Est-ce qu'il y aura tout un truc à New York ouais, il On il parle de... événements à Londres aussi. Voilà. Est-ce qu'il n'y aura euh, pas un voilà. peu comme ce qu'a fait Google avec le Pixel, par exemple Ils ont il fait des événements. Oui. Donc peut-être qu'il ferait quelque chose comme ça aussi. Ça pour le moment. Puis, ça permettrait d'avoir un ancrage européen pour, pour intéresser toute la presse européenne. Voilà, en fait, exactement. Euh, bah, de avec pouvoir... quelque chose à Londres. Voilà. Mmh. En tout cas, quoi que, quoi que ce sera et où que ce sera, que on y sera. Hein, ah bah oui, c'est sûr. on est d'abord comme bien évidemment. Jean-Sébastien, ton coup de cœur alors de ce salon, c'est quoi J'en ai pas vraiment de coup de cœur. Il n'y a pas un modèle qui m'a euh, oui, oui. vraiment. Il, il est tellement exigeant. Il est un esthète. Ouais, ouais, non, est mais disons que, disons que si les, les deux que j'ai trouvé jolis, effectivement, c'est le G6, le P10. Le P10 est très chouette. Euh, format assez petit, la prise en main sympa. Il y a ce système de, 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 de navigation par le bouton tactile qui est, euh, qui est je trouve, intéressant pour remplacer les, les trois boutons euh, habituels Android. Mm -hmm. euh, voilà, après, ça reste là, une partie technique euh, du Mate 9 qui est sorti il y a déjà. Six mois, euh, voilà. Après, bon, c'est je trouve que moi je suis assez mitigé sur sur ce salon. Euh, J'étais. Mmh. Euh... Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. je vais, Vous allez me dire, euh, en fait, la, la, les, les vraies infos importantes et les vrais enjeux, on les a pas vus parce qu'ils sont très difficiles à toucher. C'est la 5G. Oui. Parce que tout le monde parlait de la 5G, il y en avait sur tous les stands, et en même temps, quoi de plus abstrait que la 5G Complètement. Alors qu'elle n'est pas, plus... euh... voilà. cette... pas prête d'être sortie. Elle n'est pas prête, ça la 5G, 3 ans minimum. Hein. 3 et ans, ouais. et puis à mon avis, plus pour vraiment que ce, oui, ce que soit démocratisé, se se euh, facile, voilà, 5 sûr, ans à mon avis. Oui, oui. Et puis au-delà de ça, c'est le fait qu'on va vers euh, tout connecté. Donc il y avait des voitures, les voitures oui, connectées. Euh, moi j'ai aperçu aussi des petits robots, des, des choses comme ça. Et derrière ça, c'est euh, ce dont on parlait déjà euh, au CES de Las Vegas, c'est l'intelligence artificielle. Et, de même qu'on avait beaucoup parlé d'Amazon à Las Vegas, là on parlait plus de Google Assistant. Oui. Hein, C'était un petit peu la, la vedette cachée, donc euh, pas présent véritablement, mais des marques comme LG, comme Nokia qui annoncent que Google Assistant, donc l'intelligence artificielle nouvelle génération de Google, va arriver sur les smartphones à partir d'Android 6. Oui. C'est bien ça et ça c'est quand même intéressant, mais c'est pareil, on n'a pas, on a pas pu le toucher du doigt Oui Et puis c'est pas encore concret parce qu'on n'a pas vraiment de date plus ou moins. Enfin voilà, il y a ouais, la, ouais, ouais. chez LG, on nous a dit que effectivement il arrive en septembre. Euh, moi j'ai rencontré le big boss de, de Google Assistant qui me disait que ah ben non en français on travaille dessus. Enfin voilà des réponses à l'américaine, ouais. euh, c'est super, <laughs> mais c'est très difficile. Ça va bientôt arriver. Ça viendra euh, voilà donc effectivement beaucoup de gens l'attendent en Europe hein, puisqu'il est disponible en gros que via le Google Pixel euh, qui n'est disponible en Europe. Comme qu en Grande-Bretagne Éta... ouais. et en Allemagne. Et donc, euh, donc voilà, c'est un peu le... C'est pour septembre, hein qui a, ouais. voilà, qui a, Donc c'est un petit peu... Euh, mm. Effectivement, euh, on l'attend et puis en même temps, euh, pour l'avoir quand même un peu testé via l'application de messagerie Halo, qui est l'application de, de Google qui intègre Google Assistant. C'est pas encore extraordinaire, même en anglais. Hein. Ouais. On a beaucoup d'attentes sur les assistants, l'intelligence artificielle. Bon, on n'est ouais. pas encore quand même on dans quelque chose qu'on qu utilise ouais, complètement au quotidien mmh. et facilement. Quoi. Et le nouvel iPhone à Barcelone, il vous a plu Il était pas mal. <laughs> euh, il était pas mal. Alors moi, je l'ai vu voilà, dans là. une petite pièce derrière. Tim m'a dit que. non. Donc c'est rigolo qu'il ait un port USB-C, hein, c'est ça Ouais, et puis trois capteurs photos. Il y a une question sur Twitter, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout l'actu de Barcelone en même temps ça nous titille plus, tous là depuis 24 heures on peut en parler 5 minutes enfin mm -hmm. deux, deux minutes cette histoire de, de, de disparition du port lightning sur l'iPhone ou pas oui enfin hein moi je pense que c'est non mais c'est pas ça tu pas ah, moi, moi, je n'y crois pas moi je mais je crois pas du tout à la disparition mm -hmm. du port lightning sur l'iPhone bon, moi j'y crois un petit peu parce que je te signale que le, le port USB c c'est ce qu'il y a sur le MacBook maintenant et oui, donc mais il y aurait une, pour... une logique oui. mais hein. justement il y a un truc qu'on n'a pas trop cerné dans l'article ah. c'était le New York Times c'est ça je crois qu'il a sorti cet article qui lançait cette info là que on ne sait pas vraiment où il va être en fait le port USB-C parce que peut-être qu'il sera de l'autre côté du câble ah, Lightning oui, pour justement le connecter, câble, au, MacBook connecter au MacBook Pro. Dans ce cas-là, c'est ça, ça, certain que ça sortira. Qui ouais, ouais. existe déjà en mais fait jeu hein, jeu ce, ce câble hein, donc c'est juste un changement ah, de câble ah, ouais. dans la boîte. Hein. Ouais, je vois, je vois, euh, attention quoi. Je, vois, je okay, okay. vois mal alors que euh, Apple a tiré un trait sur le port Mini Jack euh, cette année, hmm. changer de hmm. port l'année prochaine. Ça, à mon avis, ça ferait beaucoup, d'autant qu'ils ont quand même glissé dans l'emballage de l'iPhone 7 et 7 Plus l'adaptateur. Euh, mini Jack Lightning, d'accord ouais, c'est vrai. Donc, l'année d'après, changer et enlever l'USB-C, euh, moi, je n'y crois euh, pas ouais. du ouais. tout. Je bon. pense que le Lightning est là et va rester encore de nombreuses années. Parce qu'en fait, le Lightning, il, il réglait un problème majeur à l'époque, hein, quand il était sorti. Il permettait en fait aux iPhones d'être plus fins mmh. euh, que l'ancienne prise 13 broches, vous savez, qui était. Oui, euh, mais il n'est pas forcément plus fin que l'USB-C. Oui, mais ouais. euh, justement, ça servira ça à quoi de mettre USB-C Ça apporterait ça, ça quoi en fait Et non, puis ça casserait aussi serait... tout l'écosystème de access... voilà, des accessoires après, de l'iPhone. Euh... Moi, j'y crois pas, mais bon, on, bon. on, peut, on peut lancer des paris là-dessus, les amis. Hein. Moi, j'aimerais quand même qu'on qu revienne. Parlera sur le bullshit de Nokia, oui. hein, ce que tu oui, évoquais ouais. tout à l'heure, c'est que, alors nous on le voit ici... Mais je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du bullshit. Ah bah. non. Oh, mais non, mais Saar, non, mais non mais non, la star de ce Mobile World Congress, un 3310 Mais oui, c'est un ça. truc qui est éventuel C'est ridicule, moi je trouve ça ridicule. Mais ce smartphone, juste un truc, on le trouve... C'est pas dans... un smartphone. <laughs> ce smartphone, oui, justement. un dumb Ce dumbphone, phone, on le trouve <laughs> dans... Les. Euh... <laughs> Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, il y a mon iPhone qui s'est mis en, si en rouge. Il a entendu qu'on parlait de lui. Oui, voilà. oui il s'est dit. Voilà. Oui, il voulait donner la réponse, voilà. justement. Concernant con l'USB-C. Con con et Lightning. Euh... On C'est qu quand même un téléphone qu'on trouve dans tous les bureaux de tabac, dans tous les oui. hypermarchés depuis 15 ans. Il faut arrêter. C'est un 33 -10. Oui, ça, non, pas non, pas faux 3310. Non, c'est même pas 3310. C'est un faux 3310. On dirait un jouet pour enfants de 5 ans. C'est ouais. ridicule. Et en plus de ça, ouais. non seulement. Alors oui, quelque part, Nokia, euros. ça montre aussi qu'il n'y a rien eu euh, comme effet waouh sur ce salon. Je suis d'accord. Mais quelque part, à Nokia, on parlait de bon co-marketing. Oui, c'est un super co-marketing parce qu'on a beaucoup parlé de Nokia. Mmh. Mais aussi, je pense qu'ils se sont tirés de mal dans le complètement compét... ouais. ah. Parce que quand j'ai été sur leur stand, trois fois de suite, mmh. à Nokia, trois fois de suite, il y avait le stand des, des smartphones des smartphones de Nokia. Personne ne s'y intéressait. Il y avait des gens, mais à... la foule, elle était du côté... Du oui. téléphone, du 3310. Mais Sauf oui, que Nokia, mais... c'était quand même le retour de Nokia sur le marché des smartphones. Et économiquement, ce n'est pas les 4 3310 qui vont <laughs> vendre qui vont faire la différence, c'est leurs smartphones. Et au final, ils se sont eux-mêmes euh, trollés pardon, avec leur propre 3310. Donc, ils, en fait, finalement, leur, la première victime de leur communication, ça pourrait être eux, à mon avis. Ouais, et je sûr. pense que c'est très dommage parce qu'en plus, leurs smartphones sont intéressants. Et finalement, bah, tout le monde a parlé de 3310. Ils sont intéressants, mais finalement, ils ressemblent à tous mais les autres voilà. smartphones oui. qu'on a aujourd'hui. Mais après, qu'ils ne qu soient pas exceptionnels, évidemment. C'est des modèles entrée de, de modèle gamme et milieu de, des de modèles, gamme. Il n'y a pas de technologie pas, Après, ça peut faire partie peut-être d'une stratégie à plus long terme de Nokia, qu faut, qui, qui là a fait un joli coup marketing, certes. Oui. Mais c'est peut-être pour revenir simplement sur le, sur le devant de la scène. On a beaucoup parlé d'eux. Et peut-être que justement, en reparlant d'eux via le 3310, ça leur permettra de garder... Peut-être une espèce de visibilité pour parler d'autres téléphones et d'autres nouveautés c est, c est qui arriveront euh, dans les semaines ou les mois En fait, c'est à double tranchant à mon avis. Ouais, oui, Soit je suis d'accord. Voilà, ils arrivent à faire euh, parler vraiment de leur smartphone. Moi, je trouve que sur le salon, ça n'a pas été vraiment, euh, vraiment le cas. Donc, c'est vraiment à double tranchant. C'est un bon coup, de com. Je crois que s'il n'y avait pas eu le 3310, il y aurait eu carrément personne sur le stand de Nokia. Non, il y aurait du monde. Il y aurait du monde sur les smartphone. Non, il y aurait eu du Donc, monde sur Android. Je pense qu'il y aurait quand même. Je pense qu'il y aurait eu du monde. Simplement, ce qu'ils auraient pu faire, c'est par contre présenter un smartphone vraiment haut de gamme avec oui. des caractéristiques qui en qu on mettent un peu la euh, vue et euh, avec quelque chose d'original et qui pouvait faire sortir ouais. du coup ça témoigne peut-être d'une capacité à ne pouvoir a trop euh, innover quoi Sony. oui ouais, enfin, clairement euh, c'est Sony euh, en termes de caractéristiques euh, c alors ça va être le plus cher est-ce que c'est le plus alors oui sur le ils processeur ont le Snapdragon 835, ils ont le G6 820 l'écran est 4K je pense que oui non, je joueur, veux, je veux, veux dire un mot. Alors je voulais juste vous dire qu'il est 18h20 oui. et que dans Mais 10 minutes, minutes c'est un spécial teasing, on vous réserve une demi-heure entière sur la Nintendo Switch. Donc surtout, vous restez là. Si vous aviez un rendez-vous de 18h30 à 19h, Annulé. vous pouvez d'ores et déjà l'annuler. Hein, d'accord Et vous restez avec nous parce que pendant 30 minutes... On va répondre à toutes vos questions. Dès maintenant, vous pouvez poser vos questions sur la Nintendo Switch. Regardez, elle est là. Euh, on va tout à l'heure s'amuser à faire une petite démo en direct avec Emeric et Pierre Fontaine. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag 01Live. On est aussi sur Facebook Live en direct. On est partout. Vous pouvez nous laisser vos petits messages. Euh, et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions tout à l'heure concernant la Nintendo Switch qui sort demain, hein, les amis. Voilà, vous la découvrez en avant-première ici. Avant cela, est-ce qu'on peut faire un tour du côté de la, la question 01 euh, Net Orange Est-ce que euh, Pierre, avec ses 17 bras, peut nous montrer euh, <laughs> la, la question 01 Net Orange En tout cas, on va la reposer, Jérôme, cette question. Euh, qui était Est-ce que tu t'en souviens Oui. Euh, Êtes-vous convaincu par les... Enfin, que pensez-vous Êtes-vous pour ou contre les dumbphones C'est-à-dire... Bon, c'est un petit peu... C'est un peu ironique, c'est un peu de l'humour. Les dumbphones, phones, les téléphones idiots, en l'occurrence ce genre 3310, c'est-à-dire des téléphones non smartphones, très bon marché, qui sont censés nous faire un petit peu lâcher prise avec le smartphone sur lequel on passe trop de temps, euh, donc uniquement pour téléphoner. Que pensez-vous de ce Est-ce un véritable phénomène de mode Est-ce que ça vous tente Etc. Voilà, Donc, oui, vous, non, vous posez votre avis. Exactement, vous dites oui ou non euh, sur la page de zeronet.tv.com ou sur zeronett.com. On fera le point sur ce sondage dans un petit instant. Ah ben, on a déjà les résultats. Euh, ah ben, super, regarde, hein, on est en direct sur YouTube, hein, ça marche visiblement. Pour ou contre Raphaël nous le dit. <laughs> ben, euh, C'est fait tout, Raphaël. Plutôt Raphaël c est, c est plutôt il Plutôt positif, positif à 61%. Ouais. Donc les, les, les auditeurs de 0 TV sont pour les dumbphones. On est d'accord, Jérôme. Bah, est on est bien d'accord. Oui, hein. je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Qu ils existent, peut-être pas pour les, les acheter. Oui, voilà, <laughs> c'est ça. Exactement, parce qu'on en parle. Ouais. Non, mais après c'est vrai qu'il y a ce côté un peu vintage. On voit que ça revient à la main. Oui, hein. Il euh, y a une espèce de nostalgie de la techno d'il y a quelques, on quelques plus années. Techno, ouais. On est dans la techno, on est dans Je pense là. que ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas utilisé non, le je téléphone depuis 17 ans justement ce genre de cas. Ils vont l'acheter, ils vont l'allumer, ils vont chercher Facebook. ils faut dire ce qui est. C'est horrible à utiliser. Vrai. On reçoit 4 SMS, on est obligé de les effacer parce que la sim est pleine. Oh, la, la mémoire, la mémoire des SMS, c'est quand même la sim hein, sur ce téléphone. Et, et oui, ah. c'était ça. Enfin, ah, donc ouais. euh, c'est en vrai, c'est quand même pas très utilisable. Le T9, vous le T9, c'était sympathique. Ah, T9, hein. c c sympa. Mais bon, une euh, belle année. Euh, ouais. ouais. mmh. Messieurs, bon, merci beaucoup. Merci à Raphaël grabi merci, merci à, à Jean-Sébastien Zanki. Euh, et on revient tout de suite pour euh, poursuivre ce zéro à live hebdo avec Émeric Siméon. On va parler de PC, comme on les aime. À tout de suite. Émeric Siméon nous a rejoint sur ce plateau de Zéro à live. Je vous rappelle que nous sommes en direct comme chaque jeudi soir. Émeric Siméon, bonsoir ah, monsieur. Bonsoir. Notre expert gaming PC. D'ailleurs, Émeric, ouais. tu vas rester avec nous pendant un bah, moment. Tu as rien de prévu jusqu'à 19 Euh, Non. Bon, bah, ça pareil, il paraît, faut que je sois là. Ben oui, parce que je regarde, tu vas nous parler de ça, mais après tu vas nous parler de ça. Ah oui, comme belle. C'est un spécial et ce soir. Est Hop là. Bien. Elle est pas enfin, là. Bon. Parfait. Elle est là. Elle n'est pas là. Pas assez, parce que je ne serai pas tout seul pour la Switch. Elle n'est pas là. Voilà. Ouais. Donc on en parlera avec Pierre Fontaine aussi. peut se tenir comme ça pendant deux heures. Mais c'est vrai. C'est ouais. une Mais, sûr. super chorégraphie. T'as vu mmh. Comment ça va, Bah Ça va. Et vous, c'était bien Barcelone' Barcelone oh, Tapas, sûr. tout ouais. ça, Paella. Bah, Tapas, c'est ça Jérôme. Ah, ah, tu sais qu'il est en train de préparer un guide spécial <laughs> de Tapas. D'accord. À Barcelone. Les meilleurs Paella. Les meilleurs Paella, etc. Ça, ça vous invite à déguster ça. Bon, là, on ne va pas parler de Paella on va parler de trucs qui tâchent, de vrais processeurs, de la puissance brute. Qu'est-ce que tu as Tu as pour nous un allié noir avec un écran OLED Oui. Mmh. Mais ça c'est quand beau. même exceptionnel, Emiric. Il est là. Il est là Il est là. Je montre à la caméra là. là. C'est quand même rare des PC avec des écrans OLED. Ça commence à arriver un petit peu, mais, déjà, mais ça court pas encore les rues. Ça court pas les rues, et euh, le premier qui euh, avait eu le bon goût de le faire, c'était HP. HP avait sorti une version de son Spectre X360, donc son hybride dont l'écran est un vrai contorsionniste, qui peut faire un tour complet autour de, de l'écran du clavier, pardon. Euh, avait sorti le premier un écran OLED. Mais c'était pas orienté gaming alors. Mais c'était pas orienté gaming, hein, c'était orienté mobilité. Alors après, on pourrait bien sûr parler de la fameuse tablette Windows de Samsung qui s'appelle la, la, la Galaxy Tab Pro S, si je ne m'abuse, qui elle en super AMOLED. Voilà, c'est encore autre chose. Mais effectivement, dans le monde PC, l'OLED n'est pas quelque chose de très commun. Et voilà. surtout dans le Et monde du, du gaming, parce que là, oui. en plus, se rajoute la couche d'un PC super puissant fait pour le jeu. C'est ça. Alors là, le, le Alienware s'est fait plaisir. Enfin, Dell s'est fait plaisir en créant cet Alienware en disant voilà, nous on peut le faire. On va vous montrer qu'on peut le faire. Donc, on a créé un PC 13 pouces. Alors qui n'est pas tout à fait à, comment dire, dans les standards des ultra portables actuels, puisqu'il est quand même un petit peu plus épais, un petit peu plus puissant aussi, hein, quand même, hein, parce que là, Word et Excel, ça passe sans problème. Hein, on va, <laughs> euh, voilà. Oui, c'est sûr. On peut, aussi, avoir du, on peut avoir YouTube en HD, ça passe bien bah, limite, ah, limite. Limite. Mais euh, ce, qui, ce qui est vraiment bien avec celui-là, c'est qu'on a effectivement une très belle qualité d'écran. Donc, ça, c'est un bon point. Et non seulement euh, Dell s'est fait plaisir en disant voilà, moi, je mets de l'OLED, mais en plus, il n'a pas mis n'importe quel. OLED, entre guillemets, puisqu'il a mis un, un écran OLED d'une définition de 1440p, c'est-à-dire 2560 par 1440, qui est là aussi une définition qui est finalement peu commune dans le monde du portable. On a du Full HD, on a de, du QHD, donc du 3200 par 1800, voire de la 4K, euh, mais on, le 2560 par 1440, c'est généralement une, une définition qu'on va plutôt retrouver sur des écrans pour euh, PC de bureau gaming. D'accord. Voilà. Donc là... Bon, c'est un peu... Euh... Sur un écran de 13 pouces, ça a vraiment du sens cette définition Eh bien, sur un écran de 13 pouces, moi j'avais vraiment de sérieux doutes. Je me suis dit, ouais, au-delà du Full HD, ça va peut-être commencer un peu petit. Alors, effectivement, si on laisse euh, l'interface de Windows à 100%, un peu petit. Mais pour les jeux, vu ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas mal. Oui, parce que ce qu'il y a dedans, ça dépote. Alors ça dépote pas mal en fait. Il y a euh, le un des plus puissants processeurs Intel dernière génération, donc un Core i7 7700 HQ à l'intérieur. Donc ça, ça turbine un petit peu. Euh, il y a euh, la bagatelle de 16 Go de RAM. Il y a 256 Go de SSD. Alors on peut en rajouter plus sur le site de Dell quand on achète la machine. Hein. Bon, bien sûr, ça va faire monter le prix, hein, mmh. bien mmh. entendu. Ce qui, déjà, à mon avis. Est... Ça, ça va, ça va, va on va y on venir, va mais ça va. Ça va. Ouais, et on a surtout une GTX 1060 à l'intérieur, une GeForce GTX 1060, donc c'est l'équivalent d'une 980 de PC de bureau à l'époque, et c'est bien sûr la, la, la même puce que la GTX 1060 de, pour PC de bureau. D'accord. Donc pour un PC portable, c'est une bonne carte graphique. Ah oui. On se fait vraiment plaisir en Full HD, voire en 1440p, mais pas forcément à fond dans tous les jeux, dans la définition native de l'écran. Néanmoins en Full HD, là on peut y aller, on peut mettre le, on peut mettre le paquet, ça va passer quoi. D'accord, donc tous les jeux récents tournent sans aucun ouais, problème, sans hein. aucun souci. Voilà. Euh, on a tout dit. Mais alors, avec une puissance oui. pareille, un écran comme ça, etc., ouais. j'imagine qu'il ne faut pas espérer l'utiliser trop longtemps loin du chargeur. Eh bien, 5 heures sur batterie. Ah quand ah même Ouais. Ah ouais. Ah 5 ouais. heures en lecture vidéo et en utilisation polyvalente. Annoncé alors bien sûr, ou pas en jeu. Allons tester. Tester. En jeu, ah non, tester. Tester, tester. Euh, en jeu néanmoins, euh, bon, on ne va pas se mentir. Hein. On ne sera pas du tout à 5 heures. On va être à 1h30. Ah oui. Deux heures ouais. en tirant bien ouais. euh, et en utilisant là, quelques la... petits logiciels euh, propres à la carte Nvidia qui permettent surtout de brider un peu ses performances, ouais. histoire ouais. qu'elle n'engloutissent euh, qu pas toute la puissance disponible euh, de la batterie. Est-ce voilà. que euh, l'écran. OLED qui on le sait consomme moins qu'un écran hein LED fait gagner un petit peu en autonomie ou ben, pas je, ça j'aimerais je, je, pouvoir te l'affirmer te, te, te le quantifier surtout simplement j'ai pas pu encore avoir de machine en écran full HD euh, IPS standard parce que le même modèle existe en full HD IPS En full, alors voilà là, celui que j'ai là il coûte euh, 2180 euros donc c'est pas non plus, euh, c'est pas, d'accord. C'est pas ce qui, se passe, <laughs> pas. Bah, c'est c'est le prix du futur Galaxy ah, S8 juste le prix de multiplié PC, par, quoi, par 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 trois ou quatre quoi. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. C'est vrai. Bon dit comme ça. Bon, finalement c'est pas grand chose. Euh, bon effectivement il coûte 2100 mais il est à partir de 1480 euros sur le site de Dell à partir de. Donc à partir du moment où on va commencer à changer le processeur mettre plus de RAM de, de SSD etc forcément le prix va monter et attention il y a trois cartes graphiques disponibles pour la machine. 1050, 1050 Ti, 1060. Ça, c'est cool avec Sheddell parce que tu gardes toujours la possibilité de personnaliser ta machine, ah, rajouter oui, ta oui, mémoire, choisir ta carte graphique, la qualité de ton écran, le prosc j'imagine aussi, non Oui, le PROS, oui. Alors, le Pro, c'est. Euh, je crois qu'on va du Core i5 au Core i7. Super. Oui, oui, ouais, ouais, non, bah, il enfin, y a de quoi se faire plaisir euh, sans nécessairement complètement exploser le cochon. Euh, en, en termes de temps de, de latence, l'OLED, c'est bon ou pas C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mais... pour un gamer, bon, euh... c'est pas mal du tout. C'est vrai important, que les joueurs n'aiment pas trop euh, tout ce qui est IPS OLED. Ils préfèrent vraiment le TN, mmh. donc, euh, qui est une technologie finalement un peu vieille. Oui, mais euh, très qui, a, voilà, qui a un temps de réponse qui est assez faible. Euh, néanmoins, l'OLED, ça va, sortir sentir bien. Euh, bien sûr, les, les ultra pros vous diront que ce n'est pas forcément le meilleur. Etc., mais On ne va quand même fait. pas se mentir. Pour le, pour le joueur qui a envie de se faire plaisir, même pour les joueurs euh, qui représentent peut-être 70 ou 80% de, notre, mmh. de nos spectateurs, ça suffira largement. On enchaîne avec autre chose avec un autre PC. Oui alors celui-là mine de rien, c'est aussi euh, c'est un voilà alors on change un peu de gabarit. Ah oui, il est plus petit. Plus petit, plus léger. Voilà. Plus fin. Voilà alors c'est aussi un PC euh, Dell oui. et il fait partie de la famille des XPS et c'est le XPS 13 2 en 1 qui a été annoncé au CES. Ah oui, ah, voilà oui, donc on a déjà euh, et qui est euh, bah, assez rigolo en fait. Euh, c'est parce pas celui que dans l'écran se détache ça Non. non c'est celui dont l'écran. Un peu le okay. 360, ah, ouais. je cassé Donc rappelons que XP c'est toujours la gamme c'est le haut, haut de gamme hein, des, des portables ah, tout de à chez fait. de chez Dell. Tout à fait. Et là qu'est-ce que ça donne? Rapidement, on ne va pas passer autant de ouais. temps sur l'Alienware. Sur bah, Way. Rapidement, euh, moi j'étais très surpris. J'avoue ne pas être un fou fanatique de ce genre de machine. Mm -hmm. je, parce que je considère que c'est un peu la loterie au niveau de l'endurance. Il y a forcément des compromis qui sont faits pour mm -hmm. atteindre un certain nombre de filles, cette finesse-là, etc. Au niveau de la connectique, c'est peut-être quelque chose qui pêche sur cette machine. D'ailleurs, il y a que de l'USB type C. Après, il faut passer forcément par des adaptateurs qui ne ouais. sont pas tous fournis. Euh, bon, je le disais, je ne suis pas très fan, mais celui-là m'a bluffé parce qu'il tient 9 heures sur batterie. C'est plus ouais. que celui qui était en Version non, euh euh, non, alors on est à peu près ténon, dans les mêmes eaux. Même on est à peu près dans les mêmes os ce qui est plutôt, est plutôt pas mal. Hein. En fait, est... d'ailleurs, ma question est plus large. Est-ce que par rapport à celui, parce qu'il existait déjà, mais en version, ouais, tout à fait, plus classique, ultra portable de base. Ouais, ultra portable voilà. de base. On n'a rien perdu en termes de, de non. perf, etc. En termes de perf, a, un a... en terme de perf, un poil quand même, parce ah, qu'on est sur une, une plateforme ultra basse consommation, alors que sur l'autre, on est juste sur une plateforme basse consommation. Néanmoins, euh, les tests qu'on a pu mener nous ont montré que euh, on est vraiment lo... les, les puces ultra basse consommation qui avaient pas bonne presse. Mm -hmm se sont vraiment bien rattrapés là sur la dernière génération de processeurs Intel. Et donc on arrive à avoir des, des performances assez solides performance, mine voilà, de rien. Voilà, c'est pas que Word Excel. On va pouvoir faire un petit peu plus quand même. Voilà. Ouais, c'est hein. ouais. Très ouais. joli. On va terminer. Je vous rappelle que dans quelques secondes. Restez avec nous, on va poursuivre ce 01 Live pour un spécial Nintendo Switch. La Nintendo Switch sort demain et d'ores et déjà ce soir sur 0net TV pendant 30 minutes. Vous allez pouvoir poser vos questions à emeric qui est notre spécialiste gaming, mais aussi à Pierre Fontaine qui a testé la console et qui va nous rejoindre dans un instant. On va terminer avec un processeur. Oui, il n'est pas coutume. Oui. Dans sa boîte, comment oui, on peut faire un paquet ça, cadeau Oui, ça alors là franchement, c'est un super cadeau. Mais quoi qu'est-ce ma bah, de C'est ça dire, là, Un processeur Ryzen, ah. ça va lui faire mais plaisir. Mais tu peux le monter en sautoir Sympa, sympa, un sautoir. Bah oui, là, ah oui, c'est joli, sympa, ça. Très joli. Hein, ça ça peut être joli. ça, ça c'est euh, AMD quoi, revient revient dans la bataille. On voilà, AMD revient dans la bataille, euh, a annoncé la sortie donc de trois nouveaux processeurs, euh, donc les, les Ryzen. Euh, donc ça, celui que j'ai dans les mains, c'est le Ryzen 7 1800 X. Donc c'est le euh, plus puissant de la gamme, ouais. mm -hmm. qui est euh, vanté par AMD comme étant capable de battre euh, un processeur euh, le processeur 6900 K de chez Intel. Intel. Et euh, drôle, coûte il coûte deux voilà. fois moins cher. Il coûte voilà. Ah oui, voilà. cest qu'on a la Ryzen même puissance qu'un processeur haut de gamme. Voilà. A priori, alors, j'ai pas encore cher. pu faire les tests. La preuve, oui. puisqu'il est encore là dans sa boîte. Mais euh, selon euh, beaucoup de tests euh, menés par AMD, puis mmh. là, les, 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 les tests des bon confrères de commencent confrères, à tomber. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, on se rend compte que bon, y a, il faut un petit peu tempérer euh, les arguments d'AMD, mais néanmoins, ça l'air bien. Il ne coûte que 550 euros et c'est un 8 cœur. Pour un processeur Intel, voilà, deux de fois gamme. plus cher chez Intel. C'est ça. Le test très bientôt. Émeric, tu restes avec nous. Oui. Les amis, on revient dans un instant. Un petit coup de questions. Allez, un petit coup de Allez, la question. La question 01 0, 0, orange. orange. Du jour. On y va. Êtes-vous pour ou contre les dumbphones, les téléphones idiots, genre Nokia 3310 euh, Vous pouvez voter oui ou non. Alors, il faudrait juste cliquer sur oui, oui. ou sur euh, oui. non. dedans, ah, ça ne marche pas. Bon, euh, on n'a pas, c est, c est, c est Mais pas Continue à voter. On vous la donne dans un instant. Ne bougez pas, il est 18h33, ce live se poursuit que vous soyez sur YouTube, sur Facebook Live, vous ne touchez à rien dans quelques secondes un spécial Nintendo Switch avec toutes vos questions. À tout de suite. Et nous voilà de retour, 18h34, c'est reparti, deuxième acte de ce 01 Live, un 01 Live Jérôme spécial qui se poursuit. Un rendez-vous exceptionnel, on va maintenant parler pendant 30 minutes de la Nintendo Switch qui sort demain. Pardon, avec nos spécialistes, Emmeric Siméon qui est avec nous encore, bonsoir. qui est resté. Rebonsoir. Oh, Rebonsoir, oh, et Pierre Fontaine qui nous a rejoints. Tu viens de me téléporter d'Hyrule. C'est formidable. Ah ça c'est bien. Explosé. Ah Hyrule, Zelda, etc. <laughs> tu vas nous en parler de Zelda parce que visiblement on a déjà... les, vos confrères les, les ont, euh, ont déjà noté Zelda et j'ai cru voir passer un 20 sur 20. Oui, il y a des 10 sur 10. Euh, enfin voilà. d'accord. Oui, oui, oui. la, 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 la presse est, oui voilà, il y a la presse mmh. est assez. Mais je sais pas, euh, je te trouve, je te trouve, tu as un sourire béa et les yeux un peu enfoncés. Non, Donc, ça c'est je... normal, ça. Ça c'est normal. C'est toujours comme ça Non. Oui, on, toujours. Pas toujours comme ça. Bon, on a déjà, déjà parlé dans un un instant. Plein, plein de questions hein, et oui. sur la Switch, forcément. Où est-ce qu'on peut poser les questions, Jérôme Eh bien, en priorité sur Twitter, hashtag 01Live. Voilà, là vous êtes en premium sur Twitter, hashtag 01Live. Voilà. Et de temps en temps, euh, on jette un coup d'œil également sur, euh, sur YouTube. Donc, je vu passer d'autres petites choses sur YouTube. Donc, donc allez-y, euh, toutes vos questions concernant la Nintendo Switch, parce que c'est vrai que c'est une console qui soulève pas mal d'interrogations. On en parle dès maintenant avec euh, donc Émeric et Pierre. Pierre, le test, ça y est tout a été publié. Non. On est bon ou pas Non, on a, alors on a décidé parce que on est comme ça Oula. de ne pas publier le test. Pour, enfin, on, a, on, a, on a publié un, un pré-test, on va dire une preview et un pré-test, mais on a décidé de ne pas publier le test parce que toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles. Ah. On sait déjà qu'une console vaut beaucoup par ses jeux, donc c'est difficile de faire un test définitif. Mais faire un test définitif quand en plus on n'a pas toutes les fonctionnalités en ligne et le magasin euh, qui permet d'acheter des jeux. C'est un petit peu réduit et surtout qu'on sait que Nintendo est toujours un peu à la peine de ce côté. Donc on attend de voir ce que ça va donner pour donner un avis définitif. Voilà. Mais on a fait effectivement déjà deux papiers, une preview et un petit papier qu'on a fait hier. Voilà. D'accord. Est-ce que vous acceptez le jeu de répondre aux questions des auditeurs comme ça sans filer Là, on mauvais. est vraiment sans filer, les amis. Hein. Oh, non, non. On va vous poser des questions parce que parfois, peut-être que vous serez déstabilisés. Vous êtes prêts ou pas Ouais. La mer noire. Allez, j'en ai une pour commencer, Allez, qui est un peu, qui est un peu euh, provoca provocatrice. Mm -hmm. euh, Est-ce que la Switch serait pas plutôt une belle console de l'année 2012, plutôt que 2017, Ouh, avec des graphismes très pas limités beau direct. Euh... Ouais, alors je je, je je dirais je dirais oui et non. Euh, ça dépend en fait, et je sais qu'Emery aura eu un autre point de vue là-dessus. Euh, ça dépend effectivement comment on la comment on la considère. Euh, moi, je la considère avant tout comme une console portable qui en plus peut s'afficher sur un, un, un téléviseur. Euh, mais effectivement, si on la compare à la PS4 ou à la Xbox One. Bah on est un petit peu en peine côté graphisme, mmh. c'est moins sexy, même si la, la puce qui est dedans, qui est donc une, une Tegra X1, euh, alors custom, on ne sait pas en quoi elle est custom, parce que ça, c'est toujours le mystère. Bah oui, on ne sait euh, pas quelle était la version originale. Voilà, elle est, euh, elle, elle, elle est censée avoir, à, avoir assez de patates quand même. Euh, ce qu'on a con qu constaté, nous en revanche, c'est qu'elle est parfois à la peine pour afficher de manière fluide toutes les, tous les jeux. C'est vrai Mais, ouais. Y compris sur le petit écran Même quand on n'est euh, pas en télé Sur, le, sur le, petit, le petit écran, moi je l'ai constaté à quelques reprises, Emric aussi, mais beaucoup moins que sur le grand écran. Ça alors donc, Mais enfin, qu'il y ait des saccades sur une console, c'est quand même assez ah, violent. Ça, hein. ça, ça arrive sur beaucoup de consoles, mais là c'est quand même. Chez Nintendo c'est rare. C'est d'autant voilà, plus bizarre que chez Nintendo c'est rare. Et puis là on l'a quand même constaté sur Zelda qui est quand même le jeu phare. De lancement et le jeu développé par Nintendo. On peut pas dire oh ouais ils ont eu les le, le développement les dev kits un peu tard. Est-ce que ce qu'elle a à l'intérieur dans le ventre c'est quelque chose d'assez costaud malgré tout parce que bon on sait que de, à l'intérieur c'est le... Le, spécial, le spécialiste hum, des Tegra c'est Monsieur. Ma, c est, c est, en fait là bon la... il a eu son, 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 son Tegra Award. Hein, c'est ça. J'ai euh, <laughs> eu mon Nvidia il y a Award. La Tegra, Tegra c'est une puce Nvidia et euh, on la connaît parce que euh, en fait elle. La, la puce dont s'inspire celle qui est dans la Switch est présente dans euh, la Shield euh, TV de Nvidia. C'est à peu près la même. On ne sait pas trop ce qu'a changé en fait. Et, et je pense peut-être qu'on ne le saura peut-être jamais ou euh, une fois qu'on aura joué des pour a une, Nvidia. Vous pouvez faire une puce s'il vous plaît euh, on, on va partir de la Shield, vous me rajoutez deux trois trucs je, euh, et puis c'est bon Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Je pense que c'est plutôt euh, Nintendo était ouvert à... Plein de. Enfin, euh, oui, voir AMD voilà. avec qui il travaille auparavant, il a dit voilà, j'ai projet de faire ça, qu qu'est-ce qu que vous avez à m'offrir Tu allez voir Nvidia, Nvidia les a peut-être contactés en disant voilà, nous on a une puce, on a développé pour les stations mobiles, etc. Bref, on saura jamais comment ça s'est passé parce que là-dessus, Nvidia comme Nintendo sont hyper discrets, donc on ne saura jamais. Néanmoins. il y, euh, y a bien un mec qui va démonter la puce, qui va regarder ce qu'il y a dedans et voir s'il y a autant de. Oui, mais ce pas parce que tu vas démonter la console que tu vas nécessairement voir ce qui se passe sur le, sur le circuit imprimé de la puce. Okay. Hein. Bon, alors, bon, à ce moment-là, il faudra quand même la passer sous, dans un tout un tas de logiciels, enfin, je souhaite bien du plaisir mais enfin, je ne suis pas tellement sûr que ça vaille ça, ça vraiment oui, le je en fait Est-ce euh, est que, est que ça veut dire que là, la puissance est complètement bridée ou il y a des possibilités d'extension il y a Caribou qui nous demande, est-ce qu'on peut mettre une carte graphique dans le boîtier externe Pas du tout Le dogme enfin, enfin, Excusez-moi mais on n'a pas terminé, la... on n'a pas fini avec la question briques qu'est-ce que ça vaut en termes de puissance graphique en Donc, de... Si on est, si on, est euh, on se cale sur la shield hum. c'est ce que tu es en train de nous dire, ouais. la shield qu'est-ce que ça donne en termes de puissance graphique parce que la Shield elle les 4K, par exemple. Alors la Shield sait décompresser effectivement euh, la du, du flux 4K, ça y a pas de souci de la vidéo. vidéo, de la vidéo. Parce que faire tourner des jeux, juste lui demander de faire tourner des jeux dessus, alors là c'est drapeau blanc, elle va elle abandonnera tout de suite. Donc c'est, je pense, une puce qui est armée pour faire tourner à minima des jeux en 720 de façon très fluide et très performante, 720p et maxima Full HD mais oui. peut-être pas toujours enfin euh, avec mais beaucoup d'optimisation est-ce qu'on est loin d'une puissance d'une ps 4 par mais exemple ou d'une Xbox oui. c'est quoi deux fois trois fois moins, je... moins... alors on n'est pas du tout sur la même architecture donc pour les cas pour les quantifier ça va être très très difficile enfin, personnellement je prendrais pas le risque de le quantifier okay. néanmoins on en est loin. Bon, on en est loin. Je veux pas vous brusquer, mais on a plein de questions. Hein. Ben ouais. oui, 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 Non, mais c'est important de, et, de parler oui, de la oui, puissance oui, maintenant. Et juste, juste pour enchaîner sur, sur le dock Effectivement, le, le fin le doc, la station d'accueil. Ouais. Hein, pour l'instant, euh, je, je vais être un petit peu abrupt mais c'est un bout de plastique avec des connecteurs, donc éventuellement 2 trois contrôleurs dedans, euh, qui permettent de faire sortir le signal vidéo euh, via le, le petit port USB Type C qui est en dessous de la console mmh. pour le faire sortir en HDMI sur un téléviseur. il n'y a pas, pas du tout de hardware. Il bah, a, a, de... a pas de puissance de calcul ouais. ajouté peut-être qu'un jour nintendo d'ici deux trois ans va dire ah, ok euh, bon allez, on va vous faire une euh, si vous avez gardé votre switch euh, on vous sort un nouveau doc avec une puce à l'intérieur mmh. d'un nouveau doc qui vous permet de gagner en puissance ça c'est de la supputation on sait absolument pas mais pour l'instant en l'occurrence euh, à part que quand elle est alimentée via le doc elle peut éventuellement monter un petit peu en fréquence au niveau des processeurs il euh, n'y a pas un gain de puissance euh, terrible quoi. Mmh, d'accord euh, on a des questions tu sur commences, les manettes. Alors, tu, ouais. tu commences question sur Twitter Oui, oui, oui. oui. A euh, bah, je résume un peu parce qu'on a plusieurs ouais. questions sur les manettes, sur les fameuses Joy-Con. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé On nous demande, est-ce qu'elles font mal aux mains C'est euh, tes réseaux qui nous demande ça. Euh, est-ce qu'elles sont, euh, est qu sont vraiment pratiques pour jouer quoi. Et non. puis il y, a, il y en a une, je ne sais pas si, parce que j'étais en train de lire les commentaires mmh. sur YouTube, qui se demande si elle est compatible avec les PC en Bluetooth. Est-ce que vous avez cette info Les Joy-Con, joy ah, ouais. joy a priori, euh, ils ne le, le sont pas. Je ne pense pas qu'ils le soient, parce que c'est quand même assez spécifique. Euh, alors, après, peut-être qu'on trouvera un petit malin qui va réussir à, à développer un petit soft qui fera en sorte mmh. que ça fonctionne. Enfin, mais, pas le but. Il... Mais, mais voilà, en, en l'occurrence, euh, moi, j'ai essayé déjà, ne serait-ce qu'avec des, euh, des, 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 enfin, des, des petites consoles, des petits euh, Raspberry euh, Bluetooth. Ça ne ouais. marche pas. Ça mais, marche voilà. pas. Bon, bref. Euh, alors, pour répondre à la question, est-ce qu'elles sont confortables je que ça dépendra de la taille des mains. Euh, ah parce qu'en fait, moi, la, 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 la console en mode portable, c'est-à-dire avec les Joy-Con joy sur le côté, mm -hmm. je la trouve très confortable. très Franchement, je l'ai prise en main tout de suite, je suis parti, j'ai joué, euh, j'ai fait des, 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 des petites tests d'autonomie, euh, donc de, je la débranche, je joue jusqu'à ce qu'elle meure, mm -hmm. et j'ai eu aucune fatigue, etc. Alors qu'Emeric n'a pas du tout cette avis, et peut-être parce qu'il a des beaucoup plus grands doigts que les miens. Ouais. Ah oui, oui, quand voilà. tu une gif de la part d'Emeric, ça fait mal. Voilà. Hein, ouais. Ouais. Donc, donc, quelque chose, ouais, les les, les Joy-Con, en fait... Euh, ils sont, euh, pour donner l'idée, ils sont à peu près de la, de la taille quand on rajoute la petite dragonne qui est devant là-bas. Mmh. Ils sont à peu près de la, un peu plus grands que les, les, les manettes de, de NES. Ils sont tout petits. Donc, donc les. les... Le monde, voilà. Ah, voilà. Hein. Voilà. Donc non. On peut pas. Les... Oui, mais suffit, oui. suffit d'appuyer sur le en petit en bouton là. à l'arrière. On appuie sur le petit bouton et hop ça part voilà. euh, et, et donc ils sont euh, ils sont assez ah. petits mais ça reste ça reste confortable quand on rajoute la dragon ouais. pour avoir les boutons. Mais effectivement pour si on a des donne, mains du front pour on ou des, des mains un peu plus grosses. Un iPhone, ça, je pense qu'on peut. On peut se voilà on peut fou, se. en configuration ouais. de jeu Mavic ouais. pour, pour mais, voir ce que une, ça donne. Une chose avec est certaine quand on joue quand on joue en mode salon. La plus confortable, c'est le, ah oui, le Pro Controller. Qui est une est, option. C est, c est, oui, voilà, qui, est, qui est vendu 70 euros séparément. Euh, et qui est vraiment euh, une très bonne manette. Enfin, elle est, elle est enfin, révolutionnaire du tout, mais elle est du, du même acabit que les manettes qu'on a l'habitude d'utiliser sur Xbox One ou PS4. Quoi. Voilà. Mais effectivement, les joy con sont très sympas ils apportent plein de choses. Euh, quand on joue en mode portable, moi je trouve. Euh, qui, qui vont bien. Alors effectivement, il faut avoir l'habitude aussi de la disposition des boutons Nintendo. Euh, par exemple, j'ai des petits camarades qui commençaient à s'arracher les cheveux parce que ils voulaient valider, mais le, la validation sur une Xbox, c'est le bouton A qui est en bas, et là ils appuyaient sur le bouton B, donc le B ça annulait. Donc là, bref, ça, ça reset la la Donc en, en fait, il faut voilà, ça reformate tout, ça coupe l'électricité dans tout le quartier. Ouais, ouais, non, c'est vrai, vrai qu'il qu y, y a des petits repères à reprendre. Mais ouais. euh, moi, je, je trouve que c'est un. un comme tout, euh, comme tout, produit qui fait plusieurs choses, c'est un bon compromis ergonomique si on n'a pas des mains de géants Très bien. Côté prix, on est aux alentours des 300 euros. 299. Il voilà, sera certains, disponible ouais, demain, demain à ce prix-là. Il euh, y a Cube Gamer sur euh, YouTube qui nous demande est-ce que le prix de la Nintendo Switch est justifié à votre avis alors, ça, c'est une super bonne question. Euh, moi, je, je dirais, comme toute console à son lancement, quand il n'y a pas beaucoup de jeux, on a, on a tendance à se dire que c'est un peu cher. Euh, après, euh, je vais te dire que je regarde le côté euh, ensoleillé de la force. Euh, moi, je trouve qu'une console portable Nintendo, euh, aussi chouette que celle-là, parce que c'est quand même, alors après, c'est facile évidemment, mais c'est la meilleure console portable Nintendo jamais sortie avec des graphismes qu'on n'en a jamais vu. Avoir ce côté euh, console hybride, même s'il y a des limitations, c'est quand même un vrai pied. Est-ce que sur le long terme, on va avoir des jeux qui justifient son prix d'achat ben Ça, c'est un pari. Euh, D'autant que les jeux sont hein, entre 60 et 70 les, euros. Les, les jeux sont assez chers et on ne connaît pas encore les tarifs. C'est vraiment des jeux triple triple Mais même, même les, les petits jeux comme One to Switch, qui est quand même une, rien de plus qu'une démo technique, <laughs> c'est quand même. Non, mais il faut, faut le dire. Enfin, on, va, je, on va en parler je, des je, jeux. Ouais, bah, c'est 50 euros, il faut, faut arrêter. Ouais. Ouais, c'est un peu cher. On a Kiyoshi qui nous demande euh, ce que vaut la batterie. En mode portable autonome Alors, la batterie. Moi, j'ai trouvé. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'essayer un peu plus. Oui, ouais, j'ai eu le temps de faire jouer avec un petit peu, mais pas... Moi, enfin, pour être tout à fait honnête, je joue avec depuis dimanche soir. Hein, donc, voilà. euh... Oui, mais 24 heures sur 24, d'après ce que tu m'as dit. Oui, tu... Bien sûr, <laughs> j'aimerais. <laughs> euh... Si on parle en termes de longévité, euh, après 2-3 heures de jeu, déjà euh, on sent déjà qu'elle a enfin, on voit la Mais jauge a pris, une a pris une grosse claque quand même. Ouais, hein. Donc, ouais. je parle en, jeu, en heure de jeu euh, nomade parce qu'il faut quand même pas perdre en plus de vue qu'on enfin, qu'en fait, euh, cette Switch en mode portable il y a trois batteries en une il hein. y a les batteries des joy con mm -hmm. et puis il y a les batteries de la, la tablette aussi. C'est à dire que bon, alors tout ce petit monde se décharge à peu près en même temps, ce qui est plutôt bien. Euh, les joy con d'ailleurs, hein. euh, voilà, ouais. alors les joy -Con ont même une. Bon, une, une durée de vie euh, qui va au-delà de, on va dire juste la partie tablette. Euh, ouais, c'est donner pour, alors on l'a pas mesuré, mais le données pour être 24 heures. Et de moi, ce que j'ai fait, mes petits essais euh, ouais. en jouant, en les posant hein, sans les rebrancher, etc. On ne doit pas en être très loin si, si on ne les atteint pas. Mais néanmoins, euh, si le projet c'est de se dire le matin, je pars avec ma Switch sous le bras et toute la journée je vais pouvoir jouer. Non. Erreur. <laughs> non, mais si on, a, si on a une heure ou deux heures de transport dans la journée, c'est jouable. Oui, c'est pas je... mal. Ouais, pas en, mal. En, en, après, ça dépend beaucoup aussi de la luminosité euh, oui, qu'on aura oui, choisie oui, pour l'écran. Parce que moi, je l'avais essayé en la mettant, il euh, y a un réglage automatique oui. et elle était euh, réglée euh, à peu près à moitié. J'ai retenu, euh, on va dire, pour une partie de, de Zelda... Trois heures et demie, voire un peu plus, et j'ai monté la luminosité au maximum. Je suis arrivé à, à peine trois heures. Donc l'écran joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les amis, euh, Simon sur YouTube nous demande est-ce que si on a la Wii U, ça vaut la peine d'acheter la Switch euh... Bonne question. Ouais, bonne question. Bah, ah, je vous avais dit qu'il y avait des questions comme bah, ça, un peu compliquées. Que... Ouais, C'est-à-dire qu'on peut, on, hey. on peut voir la chose sous deux angles. Soit on considère que euh, euh, on est ravi de sa Wii U et qu'on euh, est quand même bien conscient que euh, la, la vie de cette console va s'arrêter euh, cette année, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, là, cela dit, y a... euh, la, la production s'arrête. Ou... La production, euh, je, la production, des, la production ce de, de la console s'arrête. Après, il y a peut-être encore des jeux qui vont sortir dessus, mais il faut, faut quand même être un petit peu réaliste aujourd'hui. Euh, si Nintendo propose une nouvelle plateforme aux développeurs pour s'en donner à cœur joie, ces développeurs vont développer des jeux pour cette nouvelle plateforme. Néanmoins, ça n'empêchera pas certains, comme Nintendo, qui a développé euh, le premier Zelda à la fois pour la Wii U et la Switch, de pouvoir proposer des jeux sur les deux plateformes. Mais il faut bien être conscient que bon, bah, la, Wii, la, 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 la ludothèque de la Wii U va s'appauvrir. Est-ce que ça vaut le coup de passer à la Switch et, et Il n'a jamais été très riche en plus. Hein. Et elle, oui, voilà, elle n'a pas, pas été très riche. Donc est-ce que ça vaut le coup de passer à la Switch si on, Je pense que si on adore Nintendo et qu'on adore on les licences le Nintendo, etc. Il faudra peut-être à un moment. Je oui. vais faire une oui, réponse, réponse concise. En fait, si on veut jouer, et je dis bien, si on veut jouer à ce Zelda, euh, ouais, ça vaut le coup de passer à la Switch parce que la version euh, sur Wii U est vraiment. Beaucoup beaucoup plus laid C'est vrai, il ah, y a une grosse différence euh, oh, oh, oh oui, en termes oui, enfin, de, de graphisme. Ouais, je, enfin c'est après c'est juste mes mes, mes souvenirs, j'ai joué aux mêmes démonstrations sur l'une et sur l'autre. Euh, alors on va pas dire que c'est splendide sur la sur la Switch, mais c'est quand même beaucoup plus joli que sur la Wii U ou les brins d'herbe. On a l'impression qu'ils bah, sont en train de faire du breakdance, quoi. ils sont crénelés. Euh, bah, c'est pas possible. Quoi. Donc ouais, si on veut vraiment profiter euh, profiter de ce jeu-là, la Switch mm -hmm. est le bon choix. Après, est-ce que euh, Acheter euh, la Switch juste pour ce jeu, c'est valable. C'est une question de, de choix personnel et de fanboyisme personnel. Fanboyisme. Ouais, à ça, ouais. je rajouterais, si on a envie de pouvoir jouer tant à ces jeux dans le salon qu'en ouais. mobilité, oui, il faut, faut y passer. Ouais. Ouais. Je rigole parce qu'il y a Pierre Thiolin qui est en train de réaliser l'émission et qui est un grand gamer devant l'éternel. et qui pose des questions sur Twitter <laughs> en même temps. Vous vous rendez <laughs> compte, il réalise on y ce y à la spécial Switch et en plus, il pose des questions. Ça, c'est la classe ouais. quand même. Ouais. Est-ce que sa question est bonne ou pas Non. Non, ah, je l'ai ouais. pas, pas vu. Non, allez, <laughs> et non, moi j'ai une ça, petite question ouais. que j'ai pas vue sur Twitter. C'est une question personnelle. Pourquoi ne peut-on pas manger les cartouches de la switch paraît pareil, ne sont pas bonnes. Alors j'ai testé pour vous, hein et ça a vraiment a un goût dégueulasse. Ouais, c'est très, très, ben très bien pour les enfants, on va dire. Sauf si ouais. les enfants n'ont pas de goût, je sais pas. Ouais. Mais euh, effectivement, euh, on, a, on a vu euh, hier dans la journée euh, émerger ça sur Internet. <laughs> ces questions. Ouais, un goût dégueulasse. Ils ont mis un produit pour pour que les enfants scandaleux. la recrachent Donc forcément, journaliste. Jusqu'à l'extrême, on, on l'a essayé. Il, a goûté. Et tu euh, ouais, il fallait boire ouais. quelque chose de sucré ensuite, hein, parce que c'était vraiment dégueulasse. Dégueu. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Hein. C'est pour ah, éviter que, que les enfants évitent les. Bah, sauf s'ils répuls... si, si gobent directement, là, c'est ah. fini, comme. Euh... Non, mais c'est un répulsif pour éviter que les enfants ou les animaux avalent ouais, les petites cartouches. Exactement. C'est pas, pas bête. On a Aventador sur Twitter qui nous demande euh, est-ce qu'on peut naviguer sur Internet avec la Switch Et moi, je, je pousserai un petit peu plus la question est-ce que, par exemple, on peut aller sur YouTube avec cette console Peut regarder on peut des sur vidéos lune, sur Netflix. Euh, peut... non, 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 mais est-ce que ça fait autre chose qu'une console de jeu Alors j'ai une réponse. Euh, à... Pour l'instant, j'ai une réponse officielle. C'est dans tes rêves. <rire> euh... <rire> non, pour pour l'instant. on n'a pas accès au shop. Alors ça se trouve, vous nous faites la surprise d'avoir Netflix, YouTube en application. Hein. Euh, ouais. Ça s'est déjà vu sur des sur des sur des consoles. Euh... C'était le cas sur la Wii. Oui, ou... oui, là, sur les consoles Nintendo. Pour l'instant. Rien de tout ça n'est indiqué pour l'instant. Alors qu'on a une console mobile, on pourrait dire waouh, je vais pouvoir partir, me regarder du Netflix tranquillement, en baladant. Une fois que j'ai téléchargé quelque chose, ou peu importe, ou du YouTube, euh, etc. Euh, tout ça, tout ce pan d'utilisation de la, la console n'est pas prévu, euh, n'est pas euh, annoncé en tout cas. Hmm. D'accord. Il ouvre quand le shop demain euh, bah, Demain, en même temps que la console. En hein. même temps que la console. D'accord. On a, tiens, par exemple, Lyoko qui nous dit. Alors lui, il un, voilà, il dit c'est peut-être le moment de, de s'acheter une PS Vita, non est-ce que la PS Vita euh, finalement ne va pas retrouver un certain intérêt après la Switch Ce qui est, ce qui est très drôle, c'est que la PS Vita et la Switch ont un point commun, c'est qu'ils ont une communauté de développeurs indépendants qui a l'air de se mobiliser. Parce que d'ailleurs il y avait un très bon article dans la presse euh, anglo-saxonne sur là-dessus. Et en fait, les, la, la PS Vita qui est euh, bah, même abandonnée par Sony, on peut le dire, hein, ils n'ont oui. pas sorti de jeu dessus depuis. Ah bah ça, euh, sûr que pff, il y a des très bons jeux indépendants et il y a une communauté de développeurs indépendants. Qui s'en donne à cœur joie. D'accord. Je, je peux poser une petite question euh, technique encore, juste revenir un instant sur l'autonomie. Ouais. Est-ce qu'on peut brancher une batterie externe, genre batterie portable ben, A priori, pouvoir... euh, je, je, très honnêtement, je ne sais pas euh, ouais. si euh, euh, l'USB type C, parce que qui est finalement la, la seule connectique ouais. Euh, ouais. par laquelle pourrait transiter du courant, puisque c'est par là qu'on la recharge. Mm -hmm. euh, on pourrait peut-être l'imaginer néanmoins euh, je ne prendrais pas le risque de brancher une power powerbank non, verra, avec un câble au bout juste pour voir si ça marche ah. il y aura peut-être des accessoires parce qu'on sait qu'avec les consoles Nintendo euh, il y a des ac accessoires sont de cœur joie très certainement on va voir arriver ce genre de choses ouais. les amis si vous venez peut-être de nous rejoindre que ce soit sur Youtube sur Facebook ou sur zeronetv.com on vous fait vivre en direct eh bien les premières heures de la Nintendo Switch qui est arrivée à la rédaction depuis quelques jours elle sort demain et ce soir en live on répond à toutes vos questions si vous êtes sur la Page YouTube de Zéronet TV. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube si ce n'est déjà fait. Voilà, vous cliquez sur le petit bouton vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que l'on poste tout au long de la journée. On est la première chaîne de vidéos high-tech de France, il faut quand même le rappeler. Avec nos deux spécialistes qui sont avec nous pour débriefer la Switch, Émeric Siméon et Pierre Fontaine. Et messieurs, je pense qu'il faut quand même se pencher un peu sur le cœur du problème, c'est-à-dire les jeux. Mmh. Alors, les, les jeux, qu'est-ce qu'on a, qu qu a au lancement finalement Alors, on a une dizaine de jeux. Euh et euh, alors, après, si on est efface de, euh, si de, de Just Dance, on a deux titres majeurs, Zelda et Just Dance. Mm -hmm. Bon, personnellement, je suis pas. Je dirais qu'il y a Zelda en titre majeur. <laughs> on a, on a un Bomberman. Il pas, très, il pas très Just Dance. Hein, on a non, pas, pas, pas trop non. Pas trop. Ouais. On, a, on a un Bomberman qui, euh, pour l'instant, peut pas. Euh, on va dire, pour l'instant, est séduisant parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Il est pas foufou, mm. euh, mais il, on va dire, il fait toujours, il fait toujours la claque. Hein, il fait toujours, le, il fait toujours rigoler quand on joue à, à plusieurs. C'est le principe. Hein. Tout seul, c'est pas fou, mais à plusieurs, ça peut être sympa. Le Mario Kart qu'on avait pu euh, essayer. Il, a, la il présentation, arrivera, il il arrivera pas en, en avril. Fin avril, si je me souviens mmh. bien. Ouais. Euh, donc, euh, il n'est pas, pas là. Le Mario, qui est le Ouh. deuxième jeu qui pourrait justifier euh, l'achat de la Switch, il arrivera en fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Euh, après, il va y avoir des, des, des jeux d'éditeurs tiers qui vont arriver. Et puis surtout, là, Nintendo, comme je disais, il se repose sur une communauté de développeurs indépendants, euh, Nintendo a annoncé une, a soixantaine, une soixantaine de jeux indépendants qui vont sortir dans l'année 2017 euh, sur, sur sa Switch, dont des exclusivités. Alors il y a des jeux qu'on a déjà vu euh, bah, sur, euh, sur PC ou euh, sur les autres consoles. Il y a des, des, des suites. Euh, il y a Runner 3, par exemple, pour ceux qui aimaient bien ce petit jeu de plateforme un petit peu, un peu speed euh, qui va donc être sur la Switch. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a plein de jeux comme ça. Il y a Starcube Valley. Euh, Eric, si tu nous regardes. Ça, euh, <laughs> enfin, ouais, il voilà, y, y a beaucoup de petits jeux indépendants. Alors on sait qu'on n'achète pas une, une console pour des jeux indépendants, mais euh, en revanche, on peut y rester. Euh, on peut rester sur la, sur la console et pas la mettre au placard comme c'est arrivé à la mm -hmm. Wii euh, très rapidement, mm -hmm. parce que justement, on continue à jouer à ces jeux indépendants qui sont sympas et qui sont assez souvent tournés vers du multijoueur. Question alors de François Sorel qui travaille à ZeroNet TV. Mm -hmm. Qui, qui nous suit euh, non pas sur YouTube, mais sur le plateau de ZeroNet. Est-ce euh, est que. Euh, elle est rétro-compatible avec les jeux des précédentes générations de Nintendo. Alors, si tu arrives à faire rentrer un DVD un euh, support, dans ouais, cette ouais. console, euh. tu m'appelles. <laughs> J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Non, mais, on, et, non, et, non, non, mais ce que le, je veux le, dire, en dématérialisation, des... est-ce ouais. qu'on on pourra imaginer retrouver les grands jeux euh, de la Nintendo 64 Pourquoi pas de la Wii U Il y a eu des bons jeux sur la Wii U aussi. Euh, enfin, voilà quoi. Bah, C'est certainement euh, via, euh, via console virtuelle, euh, peut-être pas pour les jeux les plus récents euh, parce qu'après il y a une question de puissance euh, là, je crois que la console virtuelle sera pas disponible Alors, la console virtuelle c'est le, oui. le, le, le nom de, de, du sous-store enfin du sous-e-shop euh, de Nintendo où on retrouve tous les vieux en fait, jeux le sous shop non, voilà. des, des, de, 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 de ces, jeux, ces ouais. vieux jeux qu'on a déjà acheté une trentaine de fois sur 45 consoles oui. et qu'on rachète, qu rachète pour faire plaisir à Nintendo voilà. ça. Euh, donc, donc, donc effectivement la question de, pour l'instant de la, la rétrocompatibilité euh, on n'a rien annoncé là dessus euh, il y a évidemment une console virtuelle ça, on ne voit pas comment il, il passerait à côté vu que c'est bah, déjà un plaisir pour les joueurs et puis une belle manne aussi pour Nintendo mmh. Mmh. Euh, mais pour les jeux récents ça va être à mon avis assez chaud tu y vas, Jérôme, parce que moi, j'ai plein de questions sur YouTube. Tu y vas Vas-y, vas ouais, petite... ouais, Aurélien aller. qui nous demande si c'est une console pour enfants. Alors, je ne sais pas comment il faut comprendre la question. Est-ce que ça veut dire... Un euh, non, mais est-ce qu'il est, est qu faut la recommander pour l'achat pour les enfants Et du coup, est-ce que les adultes doivent s'en détourner euh... Là, Ça dépend de ce qu'on appelle l'enfant. enfin, ouais, je pense que très ouais. honnêtement, quand même, le format si de la console ne se prête pas franchement si non les plus enfants à être groupé. Euh... Bon. Oui, voilà, après, si c'est ouais, des grands enfants entre 30 enfants, et 40 ans, vrai. ça passe. <laughs> Moi, oui, ça le fait. C est, c est, enfin, tous ceux qui sont fans de Nintendo se jetteront dans la gueule du loup, ça c'est clair. La hein gueule du loup, bonjour. Non, mais c'est vrai, ils vont acheter la console, et ne serait-ce que pour Zelda. Parce que ce Zelda-là, qui est un nouvel épisode, oui. il, 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 voilà, ça va engendrer forcément des ventes pour pouvoir avoir une nouvelle expérience. En fait, c'est la console Zelda. Quoi. Si on fait partie de la génération Zelda, on va craquer. 370 euros le Zelda. Bah, ouais, c'est vrai que ça, ça fait cher le bout. Ouais, 360, ouais, 360. Euh, on a Clagame qui nous dit quelle est la qualité de l'écran de la Nintendo Switch ouais, elle est pas mal cette question. Euh, elle est, alors, elle est pas mal. Donc la question les deux, mon capitaine. C'est vrai vous vu passer, je suis oui, pour la non, bah oui. C'est vrai que c'est pas, non, mais c'est vrai que pour un écran de tablette, parce que voilà, hein, c'est, ça reste une tablette, on va pas se mentir non plus. Une tablette. Oh, ah, mais non mais c'est vrai. Les enfants une tablette. Fais, oui, alors c'est une tablette. Sortons ouais. juste, voilà. On, on va faire ouais, une ouais, petite opération vrai, en direct oui, en fait. live. Oh, ça. Oui, mesdames, Messieurs, il voilà. est en train de démonter qu -ce, la Qu'est-ce que c'est qu -ce la... que que qu -ce que Un voir, GPS c'est hein. un smartphone Nokia, Lumia, sous euh, bah, qui... Windows Phone. Et tu ouais, crois qu'on qu mais... se... se fait. Là, avoir là, attends, on va bah, faire bah, le point là avec Noémie qui va nous faire ça tout de suite. C'est un GPS. La voilà, voilà, ça y est, c'est voilà. parti, c'est nickel. C'est un GPS. Ce euh, c est, c est... Ah oui, c'est un GPS. Non, mais c'est vrai, ça, ça a le gabarit d'un vieux GPS. Quoi. Euh, ça ressemble à une tablette, c'est une tablette. Enfin, euh, certes, elle est un peu épaisse, certes, euh, ouais. elle, est, euh, elle, est, elle ne ressemble absolument pas aux iPads et autres choses qu'on peut tu connaître. Tu peux nous refaire euh, le plan, Pierre Voilà, pour qu'on la voit encore mmh. un peu, yes. avec les manettes qui sont donc euh, accrochées à la tablette. Ouais. Donc, vous n'avez pas répondu à la question, il est comment cet écran L'écran est bon Ouais, L'écran est, est 720p bon. 720p seulement, voilà. mais bon. C'est de l'OLED Le bon. ou pas C'est sûr que Non, bah non, non. 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 c'est de... À ce prix-là, voilà, c'est pas... pas, 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 prix pas voilà. J'ai vu Alors pas que, que les... la PS Vita, pardon. on rigole de la PS Vita, c'est un écran OLED. Hein. Non, on rigole pas, la PS Vita, c'est une très bonne non, console non, non, que j'aime beaucoup. Que... Que... Voilà. Voilà. Euh... On rigole pas des consoles, ici. sur Ah, Il y a des choses sérieuses dans la vie. Oui, c'est vrai. Et la PS Vita en fait partie. Et on déconne pas avec ça. On est d'accord. J'ai vu passer une question tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a posée. pardon. À combien peut-on jouer Est-ce qu'on peut je... jouer à plus de deux Oui ah, bien sûr. On fait quoi On rajoute des... Alors on peut jouer à... Peut jouer à... Bon, à déjà, out of the box, comme on dit. Mais après, euh... Ça dépend des jeux. Du à... jeu, bien voilà. sûr. Tous ouais, les bien jeux sûr. ne sont pas, bien sûr, jouables en multijoueur, mais les, joueurs, mu... enfin, les jeux multijoueurs sont jouables. Out of the box pour la console, à deux, puisque chaque Joy-Con est une manette à lui tout seul. Est une personne. D'accord. On peut aussi euh, connecter tout à fait le, la manette pro. On peut Pareil. mettre les deux En local, il me semble qu'on peut pro, jouer jusqu'à... Sinon. 4 si je ne dis pas de bêtises, mmh. il me semble, sur la même manette, oui. hein, avec les mêmes manettes, même console, même écran. Mais Mario Kart, on pourra jouer à, je ne sais plus... Je sais voilà, combien, parce qu'après, en fait. on vient tous avec sa Switch, non, tout et, Switch. Switch. et Et on après, peut on bon on jusqu à jusqu à 8, communier hein. à plein avec, avec bon ça. Bon voilà, et donc là, là c'est un réseau quoi C'est en Bluetooth ouais. que ça fonctionne ouais. À ce moment-là C'est du Wi-Fi ad hoc. C'est du Wi-Fi ad hoc D'accord. Comme le capitaine, c'est ça. Comme le poisson. Okay, euh, moi je c'est fini. Petite petite question. Attendez, euh, le petite poisson. question con concernant le prix parce qu'on ouais. a parlé du prix de la console, des jeux, des, des options qui sont horriblement chères. Mais pour jouer en réseau, il va falloir encore raquer, visiblement. Oui. Ah oui, c'est Pour la jouer, première. Pour, pour, pour jouer en réseau euh, avec des gens qui sont pas autour de toi, tu veux dire Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Mais alors après, on a euh, on a euh, le prix ou pas Oui. Un peu ah non, on a une estimation de oui. ce que ça pourrait être, puisque effectivement, lors des multiples interviews qu'a pu donner le PDG Nintendo entre le moment où, donc, au mois de janvier, la Switch a été officiellement dévoilée, et puis là, maintenant, sa sortie, il y a eu moult interviews, et euh, à l'intérieur desquelles, il a parfois précisé, il a donné une fourchette en yens. Alors, une fois qu'on a fait la conversion en dollars, puis euh, en enfin, yens, en euros, etc. En euros. Enfin, bref, je vous les passe. Euh, on arrive à, à peu près à moitié moins cher. C'est une prévision Pardon, mais, encore. C'est hein, une donc, baguette. Euh, C'est ça. Euh, oui. Euh, bon, bref. Euh, que ne je... perds pas voilà. ton fils. On arrive à moitié moins cher. Vas-y. On arrive à moitié moins cher qu'un... Bon, concrètement, combien qu un, qu un cer... bah, On serait aux alentours de euh, 25, 30 euros. 25, 30 euros quoi L'année ah, bah oui, quand même. Ah, oui, pas par mois. C'est chaud. sachant... beaucoup moins cher que Sony, Xbox, PS, Le service PS Plus, il me semble que c'est 50 euros par an et le Xbox One aussi. D'accord. Sauf si je dis une énorme bêtise, mais enfin, il me semble que c'est ça. 50-60. Et je 50 -60. crois que les premiers mois là vont être gratuits, histoire de. En, en fait, de, ouais, les, voilà, le, pour le, que les gens il puissent il tester. Il hein. va y avoir un petit rodage, une petite montée en puissance. Euh, il va y avoir. Mais, ne serait-ce aussi que parce que euh, les premiers jeux qui en tirent vraiment parti ne sont pas encore là. Un Splatoon, c'est cet été, il ouais, n'y a pas de date été. officielle, mais euh, le Splatoon, Splatoon 2, par exemple, pardon, euh, est, qui est celui qui va euh, vraiment euh, donner au, envie aux gens de jouer en ligne contre trop d'autres personnes. Il arrive à l'été, donc bon, bah, euh, on va attendre quand même euh, ça pour, pour payer, on va dire. Hein. Euh, moi, après, je, 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 pour avoir connu euh, le, le PSN, le, le réseau Sony avant et après le, le paiement euh, gratuit, et payant, je trouve qu'il y a vraiment eu un gain de qualité depuis qu'on paye, et c'est quand même le moins qu'on puisse espérer. Oui. Euh, Donc je me dis que si Nintendo nous fait payer, pas trop cher heureusement, enfin, on peut espérer en tout cas, euh, bah, ça peut augurer euh, un sérieux et une qualité. Alors que quand c'est gratuit, c'est pourri, on n'a rien à dire parce eh que, oui. que c'est gratuit. Voilà. Donc là, si ah on non, paye, on, refus, peut, moi, on, on, peut attendre, hein. on peut s'attendre à quand même de la qualité, et on peut s'attendre à ce que Nintendo mette derrière ce qu'il faut pour que ça tourne. Voilà, on, a, on a un auditeur qui nous demande si elle est étanche pour jouer sous la douche. Mais bon, ça, bien sûr, bien, bien sûr, une fois. Elle, elle est étanche une fois, c'est ça. Voilà. <laughs> Lucien qui nous demande s'il y aura un Metroid Prime sur la Switch. Mmh. Ah, ça paraît évident, non, dbc, quoi. On sait pas. Ah, on ah, pas peut tout... imaginer que toutes les grandes, les, 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 les grands personnages et les grandes sagas de Nintendo vont arriver sur la Switch, non euh, Comme Sonic. C'est euh, <laughs> ça. <rire> non, mais enfin, mais pas, je pense ouais. qu'il va falloir attendre le 3. Très sérieusement pour ça. ça va se bouger. ouais, parce que mon rien, on est à trois mois de le 3. Donc, euh, bon, euh, voilà. Et euh, le 3 donc, aura lieu mi-juin. Euh, là, clairement, euh, je pense que euh, tous les éditeurs, tous les studios vont arriver avec dans leur valise quelques jeux, etc. Donc, on va pouvoir euh, peut-être espérer avoir. Euh, des aperçus sur euh, ouais. la Switch. quoi. Les amis, juste à... non, parce que là, voilà, on a dépassé le, le temps à partie, comme on dit, peut-être pour se quitter, une petite démo sur. Euh, parce qu'on a branché la Switch Ça sur la, la, la télé. Ça serait peut-être pas mal, non, qu'on arrive à y jouer un petit peu. Alors, je ne sais pas si la manette est tapérée et que tu peux y jouer. <laughs> si Noemi peut faire un petit plan sur la télé pour vous montrer ah, non, un non, peu la. Qu'est-ce qui se passe Ça ne marche pas euh, Mise à jour. Mise à jour Oh non, mais pas mais de quoi, mise quoi, à jour. Ah, oui bah, comme oh moi consoles, ai marre. Euh... À chaque fois, que je touche une console, ah, il ouais, y a une mise, mise à jour. Chaque je sais fois pas, que tu allumes la console, me pousser un petit à peu à parce que. La, la voilà, chose qu'on n'a pas, chose chose qu pas dite, pendant euh, qu'on euh, attend que ça charge, je pense que c'est intéressant de, de le rappeler, c'est qu'on euh, peut jouer à plusieurs comptes euh, sur la Switch. Oui, on peut avoir fait. chacun Quand un peut créer compte. Par exemple, d'accord. Voilà, chacun d'entre nous pour en avoir un. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que en fonction des jeux qu'on va pouvoir, qu'on va insérer dans la Switch et le profil qu'on va appeler. Les sauvegardes ouais. ne seront pas celles du voisin. Ce seront les siennes qu'on va récupérer. Si, si je commence avec, euh, avec mon compte, j'aurai mes sauvegardes à moi. Si je commence avec le compte d'Emeric, j'aurai ses sauvegardes. Ce qui fait que ça évite de... Hey, pourquoi pourquoi t'as écrasé mon... Ah. Oui. Alors euh, là j'ai un problème, c'est que j'ai un, un, un François Sorel au milieu de mon champ de vision. Alors, attends, tu sais quoi oui, François problème. Sorel s'en va. Euh... Et là, comme ça, voilà. <laughs> on va pouvoir voir ce que donne Ah, ce... ah bah en plus là c'est au, au bon endroit pour... alors on va regarder, on va aller voir comment on meurt parce voilà, que là une fois, qu une fois qu'on est loqué voilà. par cette bestiole là alors ça dans, dans un Zelda, quoi, Pierre, préparez vous parce que alors les Zelda habituellement je... c'est un petit peu mignon tout ça, on s'en sort bien la vie est belle, ce Zelda là Il est euh, arbre, vous allez vraiment vraiment mourir Pierre, tu et sais même quoi parfois à vous dire mais, mais là j'avais juste pied pourquoi je me suis noyé ah oui parce que tu as glissé sur un caillou alors que tu n'avais plus d'endurance de, plus et tu es retombé dans l'eau, tu es mort oh tu Donc sais ouais. ce que j'aimerais que tu nous montres c'est un peu le menu principal de la console et euh, voir alors, à quoi hop. ça ressemble si c'est possible. On va faire ça. Ouais, parce que dans Zelda-là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la gestion du froid, du chaud, de l'endurance, etc. On ouais. peut mourir de froid, littéralement. Ah -à -dire bon que, Oui, C'est-à-dire que tu arrives en short euh, <laughs> dans un endroit où il y a de la neige, parce que comme c'est le cas au début du jeu, ouais. hein, assez, moment, tu assez de logiquement, de je ne vous spoil ouais. rien, mais enfin la zone de départ okay. a, plusieurs, euh, a plusieurs zones ouais. météo, on va dire. Ouais. Euh, en fait, la a... zone de départ est un gros tutoriel. Voilà, et on arrive à un moment en montagne et euh, bah, on est avec son pantalon en, en, en jute, hein, clairement. D'accord et On, et on ça peut mourir de froid. Voilà. Mm. Et donc et, Pierre, ça, là, c'est quand on démarre la console. On a ouais, ça. Donc alors, quand on démarre la console, tout tout début, on n'a pas les vignettes, on a juste donc bah, grosso modo, on a ça quoi, voilà. Euh, ensuite, quand on, quand on met les différents jeux, euh, bah, on a la petite vignette qui apparaît, donc on peut la lancer en cliquant dessus. on va illustrer ce que disait tout à l'heure Emeric. Euh, si j'appuie sur, euh, oui, on va quitter. Euh, ah non, elle, elle veut... tient à sa mise à jour. Ah, mais voilà, c'est peut-être voilà. peut pour, pour qu'elle devienne connectée demain, puisqu'elle voilà, sort demain. Je, je pense y a ça, oui. Voilà, donc ça. là, vous voyez, là, effectivement, on tombe sur les deux utilisateurs et en fonction du compte utilisateur. Donc, euh, j'avais appelé Émeric Raoul, Je suis désolé. Euh, ça lui va bien. Ouais. Ils ont go, ça, ça te va bien à toi. Donc, en, en, fon en fonction de, 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 de du compte qu'on va choisir, on va voir donc les sauvegardes qu'on voulait. Alors ensuite. Euh, donc les comptes, vous voyez, on a la, les pages utilisateurs où on a un récapitulatif euh, de, de, de trois informations, les d'amis Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'amis parce qu'on n'a pas beaucoup de gens connectés. Connecté, d'accord. Voilà. Euh, ensuite, on a différentes. Alors les nouvelles, c'est les pages où on a des nouvelles sur les jeux euh, qu'on suit, sur euh, voilà bon, les promos, ah, ouais, etc. Euh, qui nous. Voilà. C'est un peu le hub qu'on a sur les autres consoles. Voilà. Hein, les, uh, Xbox et Xbox. Ça PSN. change complètement de, de l'interface de la Wii U, hein, je oui. trouve. Ça va quand même très. très ouais, très ouais, il bon y a, y a, y a des. Non, mais il n'y a plus les, les. Tu sais, les Mi, là. Euh, qui ça, était... c'est bien. Ça, c'est bien. J'avais envie, non, envie de, on de on en peut jeter on peut... une petite. Je ah, sais pas, moi, un, un truc pour qu'ils disparaissent bah, vraiment. Bah moi, j'avais gardé une Wiimote juste, juste pour ça. Je l'achetais pour me passer les nerfs. Non, donc on peut quand même se créer un Mi et les importer si on veut parce que Nintendo ne jette pas tout. Donc là, on a l'eShop. On va pas y aller parce qu'il va nous dire. Ah, je trouve rien. On a l'album et en fait, c'est toutes les captures d'écran parce on a. Un bouton sur toutes les manettes. Euh, on a pu regarder là. Je vais faire. On va voir en, en haut à gauche l'écran. On va voir un truc capture effectué. Ouais, euh, donc on a pu sur un on bouton et on, écrans. et on capture. Alors, ça, on capture, des on capture des, des, des photos, mais quid des vidéos euh, C'est une très bonne question je me pose à moi-même. Euh, donc là, bah, dans non, la mesure pas. où il y a absolument rien pour voir les diffuser après. Mais oui, parce que pour les, euh, les captures d'écran, peut-être qu'on pourra oui. les mettre sur une page, un truc comme ça, quand on aura des, des fonctionnalités en ligne. Euh, en revanche, si on veut les sortir, il faut éjecter une carte micro-SD euh, micro euh, qui est tout en dessous de la console, euh, sous une petite... Euh, en fait, il faut ouvrir le pied qui sert à maintenir la console pour sortir la carte micro-SD. Donc là, on a euh, une, une petite interface, et ça, c'est sympa, qui permet de très facilement changer l'ordre des manettes quand on joue, qui permet d'en synchroniser de nouvelles, c'est beaucoup plus facile que du temps de la Wii U ou de la Wii où il fallait appuyer sur le petit bouton rouge pour que ça marche. Euh, par exemple, le, le Pro Controller, pour le synchroniser, euh, il se recharge en USB Type-C. On le branche en USB Type-C ou, enfin, ou en USB à, au dock et il est synchronisé euh, d'emblée. Comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête. C'est okay. plutôt, plutôt pas mal. Après, on a euh, les... On les, paramètre de la console, ouais, les, patati les, patata. Les ab... hein, et puis, le bouton veille euh, qui permet... Euh, de, de la mettre en veille. De, de la, donc. la donc. mettre en veille. Mais alors, ce qui est bien, c'est quand elle en veille, donc, elle se recharge et elle, elle re, continue à recharger les périphériques qui lui sont connectés. Ouais. Et puis, on a... Alors, hop, euh, si je me trouve... Possible, si je me trompe pas, si on, on va maintient en là, que Voilà, c'est une console qui ne s'éteint pas. Voilà. Ah bon, elle ne s'éteint pas. Bah elle s'éteint que quand elle n'a plus de jus, quand elle n'a plus d'électricité, voilà. ah oui, elle s'éteint vraiment. Et donc on a un petit menu rapide. Euh, alors quand elle est dockée, euh, c'est-à-dire quand elle est dans son dock, le menu est très court. Mais mmh. autrement, euh, vous voyez, il y a un mode avion par exemple. Et il y a d'autres fonctionnalités comme l'accès au réseau, etc. Euh, quand on est en, en, en mode mobile. Et voilà. voilà, donc c'est car... très 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 simple. On nous la... demande, pardon, euh, où sont stockées les sauvegardes Alors, les sauvegardes, a priori. Sur euh, le canapé. C'est ça. Euh... C'est toujours là que je les mets aussi. Moi vrai. aussi, mmh. c'est tellement pratique. Les... Dans la mémoire interne de la console. Voilà, Genre. de la console. Voilà. Pas de... On n'écrit pas sur la carte, on est d'accord pas, non. Pas, pas, alors, pour l'instant, vu qu'on n'avait qu'une console, mmh. c'était très difficile de faire le test. Mais euh, dès qu'on aura deux, deux Switch, on verra si on peut passer et, peut et ré récupérer des son des jeu. Mais a priori, c'est ouais. dans la mémoire de la console et en tout cas pas sur la carte micro SD. Voilà. Pierre, on termine peut-être avec les premières images de Zelda pour voir ce que ça donne. Alors, retournons à Zelda. Hop, voilà. euh, non, et on, on, on va pas dire voir là-dessus. Voilà. Euh, euh, et et Raoul, le test, là. ça sera quand euh, le, le test de Zelda. Alors on va faire, on va prendre une approche différente parce on, voilà, mais ça sera soit demain, soit lundi prochain. D'accord, très bien. Et donc là, voilà les premières images. Voilà, c'est reparti pour charger, puisque vu qu'on l'avait éteint, il reboot, le petit lapin. Ça charge vite les jeux, tiens, bah, justement. Euh, on va se poser bah, la question. Assez, assez. Euh, on va alors, c'était ton compte, Attends, on ne va pas prendre celui-là, parce qu'on on a vu qu'on on mourait rapidement. Bah, alors, ouais. hum. Oui, mais... un truc où vous n'êtes pas ridicule tout de suite. Quoi, bah, un truc où on se retrouve pas avec des, des ah bah, monstres surtout, qui nous agressent tout de suite. Quand, hein. Général, moi, moi, je fais partie des gens euh, dont... Don, qui, euh, qui sont euh, troublés par euh, la présence, enfin euh, le, le mapping des boutons. D'accord. En fait. Mais, Donc, mais euh, voilà. par rapport aux autres Zelda euh, auxquels tu as pu jouer, ouais. Pierre, ouais. celui-ci, est-ce que tu serais d'accord sur les notes dithyrambiques qui peut avoir à droite à gauche très très, très 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 franchement, je peux les comprendre, mais je ne serais pas monté aussi haut. Le, je trouve que alors, je trouve que le, les neuf. Peuvent être mérités, les 10 sur 10 et les 20 sur 20, alors que euh, d'ailleurs, on, on discutait avec Emric, il y a des moins, c'est-à-dire il, mmh. il y a des défauts dans le jeu. Euh, comment on peut justifier un 20 sur 20 alors qu'il y a des défauts mmh. C'est quelque chose euh, qui est assez alors là, on se retrouve dans la zone de départ, justement. Ça tombe bien. Donc là, quand on commence le jeu, euh, enfin, on n'est on pas à cet endroit là, mais euh, pas loin en tout cas. Voilà, bah, on est alors, à la alors, fin de la zone de départ. Donc là, peu. si vous regardez bien ces tours, vous allez faire un gros flash, vous allez les retrouver dans un Assassin's Creed parce qu'en en fait, dans chaque zone, zone, gé zone géographique, hop, j'ouvre la carte. Je suis la carte. Je suis la carte. Euh, quand dans chaque zone géographique. Alors donc tu n'as pas, tu t'es baladé, tu n'as pas déverrouillé tout, mais dans chaque zone, il y a une tour euh, comme celle-ci. D'accord. Euh, et euh, en fait, quand on l'active, euh, euh, toute la carte va être révélée avec euh, bah, euh, les, les différents euh, lieux, euh, avec les différents points d'intérêt, on va dire. Voilà. Donc cette tour-là, il faut toujours grimper. Pop, 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 ah Oula là? Ah, je suis bien, mais regardez. Vous ah oui, dites, toi, tu t'attaques ta les chauves-souris au marteau, toi. Bah, ouais, moi, je suis comme ça. Ouais, comme ça. Pas, bien, moi, j'aime bien. Excusez-moi, c'est mon côté, je récupère tout. Et puis, pour ceux qui sont. Alors. alors. C'est un, un truc pas drôle, hein, je préviens, j'anticipe. Mais pour que t'as l'aile, le, le, tout... le, 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 là le... On va le faire tout de suite bah Non. Non, Pauf, donc pas je peux euh, pas pour ceux les qui adorent faire de la cuisine, il faut savoir que c'est le premier Zelda dans lequel moi j'ai passé des heures à cuisiner. Alors attention si vous ah oui. bien, il ouais, y a un, un feu derrière, un derrière les ruines. Voilà. Là dans le coin, on passe là, dans le son, son temps montant. à ramasser des petits morceaux de bestioles euh... et, ça, et à essayer de les accommoder pour faire des plats, pour oui. gagner des bonus, bah... restaurer sa vie. Ça. Mais, mais c'est ah, super mais important. Rigolo, hein. c est, c est... Mais la cuisine est d'autant plus importante que, certes, déjà on peut faire des recettes plus ou moins réussies, mais en fonction des ingrédients qu'on va utiliser, on va avoir des plats qui vont nous donner des compétences pour résister au froid, résister au chaud, etc. Et on pourra aussi créer des remèdes. Ouais, y a des tout Et alors, euh, je ne sais pas si on va avoir droit du clipping, c'est-à-dire euh, l'apparition euh, spontanée d'un élément du décor. Euh, ça arrive assez fréquemment. Euh, mais ouais, là, pourtant, a, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'ennemis qui me chargent. Ou, euh, ou c'est ce vrai que chose, bon, graphiquement, mais... c'est n'est pas... C'est joli, pas, on pas par terre, joli mais on n'est pas non plus en non, train non, non, de non, C'est pas bouleversifiant. Non, voilà. Bon, voilà, c'était les premières images de voilà, Zelda qui sort demain. Euh, avec cette Nintendo Switch et euh et d'où tout au fond le château d'Hyrule euh, où, où euh, la belle Zelda essaye de combattre es à Ganon. À euh, non non c'était un autre. C'est un autre. Non non, non, mais ça mais c'est ça qui est formidable avec ce jeu c'est que on, on, combien d'heures de, de jeu a priori Je sais pas c'est ouais, hyper difficile à quantifier ça dépend si on fait les quêtes secondaires ou pas ça dépend si euh, on est comme moi à vouloir courir ouais. après les écureuils ou pas enfin bref <laughs> voilà. Voilà, ce live spécial Switch euh, bien, se termine sur ces premières images de, de Zelda. Je sais que vous étiez très nombreux à le vouloir, voir à quoi ça ressemblait. Euh, merci de nous avoir suivis, c'était cool, avec ouais, beaucoup de ça, questions, c'était vraiment super. Si vous avez Top. raté le début, vous pouvez revoir le replay euh, qui devrait arriver très rapidement. Depuis le début, retrouver ce spécial Switch. Merci Pierre Fontaine, émeric Siméon, le merci cool. également à Pierre Thiolin qui réalisait ce live, et à Noémie Lefebvre-Marek qui était également en coulisses très active. Voilà. Voilà. Je vous rappelle que si vous nous suivez sur YouTube, au passage, abonnez-vous à la page YouTube de 01net TV, comme ça vous pourrez suivre toutes nos vidéos euh, chaque jour, parce que chaque jour, il y a de nouvelles vidéos. Et puis, Jérôme, on se retrouve très vite. A euh, noter que la semaine prochaine, dans De Quoi Je Me Mêle, donc dans 8 jours, je recevrai le patron France de Nintendo, qui nous présentera justement la Nintendo Switch. Voilà. Merci à tous, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.